Let's go. Donc bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir dans le cadre de la Nuit des bibliothèques qui se passe sur toutes les bibliothèques de la métropole avec pour thématique les jeux vidéo. Donc ça nous tient particulièrement à cœur parce que les jeux vidéo, ça fait déjà presque une vingtaine d'années qu'ils ont été intégrés dans les bibliothèques et que les bibliothèques médiathèques font de la médiation autour des jeux vidéo. Voilà, donc on souhaitait aborder le sujet, la thématique de la diversité, puisque aujourd'hui le jeu vidéo est un des premiers loisirs culturels des Français. Il y a 71% de joueurs occasionnels, 52% des Français qui jouent régulièrement aux jeux vidéo, dont 47% de femmes et avec une moyenne d'âge de 39 ans. Et malgré tout, on se rend compte au fil des années que les jeux vidéo véhiculent énormément de stéréotypes, tant au niveau des règles du jeu que des représentations. Et actuellement, on a aussi des problématiques de harcèlement et de sexisme. Notamment, ça fait l'actualité chez Activision Blizzard en ce moment, mais on y reviendra. Donc voilà, donc nous avons plusieurs invités. Je vais laisser Benoît les présenter. Il n'était pas prêt. Oui, alors du coup, peut-être que toi, tu peux déjà nous dire qui tu es. Alors moi, je suis Delphine Châtaignier, et je suis responsable informatique et multimédia à la médiathèque de Saint-Médard. Voilà, bonsoir, j'en profite. Moi, je suis Benoît Béziade et je suis chargé de la mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations pour la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. Et on accueille aujourd'hui pour discuter de cette thématique de la diversité dans l'univers du jeu vidéo des gens qui sont des connaisseurs en la personne de Nathalie, qui est streameuse sur la plateforme Twitch. Donc je ne sais pas si vous connaissez Twitch, on pourra peut-être vous expliquer rapidement ce qu'est cette plateforme, et qui est artiste 3D aussi. Ouais. On accueille également Vanessa Chicou, qui représente l'association AfroGamers. L'association AfroGamers, on les laissera expliquer peut-être un peu plus en détail s'ils ont envie leurs activités. Mais l'association AfroGamers, c'est une association qui œuvre pour plus de mixité et de diversité dans le secteur des jeux vidéo. Et j'ai bien dit secteur, ça inclut le jeu en lui-même, mais aussi l'industrie. Du jeu vidéo. Les gens qui créent, qui communiquent, etc. Également avec nous, Hervé Tourneur, qui est animateur, médiateur, spécialisé dans le cinéma et dans le jeu vidéo. Et notre grande madame que l'on voit sur l'écran géant, Jessica Benoni-Soler, qui elle est maîtresse de conférence et qui est chercheuse en sociologie, spécialisée dans les usages du numérique, et qui a réalisé une thèse notamment sur le jeu vidéo en questionnant le genre dans le jeu vidéo. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur sa présentation? Des détails croustillants. Ok, du coup. Donc, on a essayé de chercher un petit peu des représentations de la diversité dans le jeu vidéo. Alors, on va caricaturer un peu. Mais concernant les représentations des jeux vidéo, donc on a essayé de trouver quelques images, notamment de personnages féminins dans le jeu vidéo. Donc on a un personnage bien connu qui est Lara Croft du jeu Tomb Raider, Sheva Alomar de Resident Evil 5, Bayonetta, la princesse Peach, et on a aussi une image d'un jeu qui s'appelle Cooking Mama, qui est un jeu de cuisine. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ces images. Nathalie, peut-être, ou Vanessa? Alors oui, par rapport aux personnages qu'on voit, effectivement, déjà, la présentation change bien selon les jeux dans lesquels on les voit.
Par rapport à Cooking Mama, j'ai jamais fait trop attention à son design parce que c'est vrai qu'il m'avait jamais trop interpellée, mais du coup là c'est vrai qu'on se retrouve devant un personnage, bah, évidemment c'est un jeu de cuisine, donc évidemment on met un personnage féminin qui a un petit bandeau rose, etc. Bon, Peach, pareil, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que bah, Peach, c'est la petite princesse rose avec les cheveux blonds dorés, tout ça. En oui. Détresse, c'est combien sauvé? En détresse, bien évidemment, forcément. Bien évidemment, absolument. Là où c'est plus surprenant en vrai, c'est ses designs, c'est pour, bah, comme tu l'as dit, Lara Croft et Shiva, qui sont censés être des guerrières bien badass et qui sont présentées comme des mannequins de lingerie, pour rester poli. Et la dernière, par contre, c'est mon personnage préféré, c'est Bayonetta, donc effectivement, qui est une sorcière dans des beat 'em up, donc un jeu où il faut tuer absolument toutes les créatures. Et en vrai, Bayonetta, c'est la seule parmi tous les personnages que tu as montré dont le design est justifié, parce qu'en réalité, elle use justement ce male gaze et ce chara-design volontairement sexy, et elle l'utilise tout au long du jeu, et c'est carrément même une feature de gameplay, c'est-à-dire qu'elle exécute certains adversaires en utilisant ses charmes et tout, donc c'est vraiment rentré dans le jeu et c'est utilisé plus ou moins bien pour rendre ça comique. Mais c'est vrai que c'est très rare, en général Bayonetta c'est un peu l'exception et la règle c'est plutôt autour de Lara Croft et de Shiva ou Princess Peach. Et j'irai même plus loin en fait, parce que Shiva, qui est quand même à la base un personnage qui est assez bien fait et qui a un vrai background, une vraie histoire, c'est pas sa tenue de base. C'est elle a une tenue de guerrière classique et en fait elle a cette tenue exotisée. Voilà, une tenue ethnique, comme on peut dire, qui arrive là comme ça et qui a aucun contexte et qui pose problème en fait dans le jeu, parce que à la base le personnage était hyper intéressant et finalement ils ont un peu terni le personnage en faisant ça. Oui, pour alors aussi revenir sur cette dimension d'exotisation du personnage, sexualisation, et c'est vrai qu'elle a, là, elle a un skin, un costume qui a rien à voir avec le personnage et sa création graphique de base, qui change quand même la nature même du personnage et de sa narration, cette idée de fond et de forme. Je vais nuancer quand même avec ce que ça vaut à propos de Lara Croft entre les premières versions sur PS1 qui étaient hyper sexualisées avec des mouvements juste improbables et le reboot où pour le coup elle est par Crystal Dynamics, elle est bien plus vêtue en adéquation, c'est-à-dire elle grimpe dans la montagne, etc. Alors, c'est pas toujours le cas dans toutes les situations, mais notez une évolution. Ça reste un petit pas, mais entre la sexualisation de la première version, des premières versions et le reboot, on note une évolution. Alors, le petit pas aussi, et alors peut-être à nuancer, c'est celui sur la princesse Peach. Dans tous les jeux Mario, c'est la princesse en détresse jusqu'au Odyssée, mais il y a une petite nuance, une toute petite, c'est qu'à la fin de Odyssée, plutôt que de suivre le héros Mario, elle décide de partir elle-même en voyage. C'est-à-dire que tout le voyage qu'a fait Mario, elle va le faire elle-même et ensuite on va la recroiser par-ci par-là. Alors ça suffit pas, c'est clair, mais on est parti de tellement loin que finalement c'est ce genre de détails qu'on remarque un petit peu. Et il serait de bon ton que ce soit pas que des détails à force. Et au-delà des personnages, en tout cas de leur caractérisation, est-ce qu'on parle de Zelda ? Avec un personnage qu'on ne voit jamais, parce que Zelda c'est la princesse en détresse, mais le héros est Link, et Zelda on la voit jamais en fait. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui posent un peu problème. Tout à fait, Jessica, je te voyais réagir par rapport aux différents propos, notamment par rapport aux propos d'Hervé. Oui, je réagissais par rapport à Peach. C'est toujours dans mes discours. Hein, je stigmatise pas Hervé, bien évidemment. Hein, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais c'est pas parce que dans un jeu paumé au fin fond de la trilogie de tous les jeux où Peach apparaît que ça vient nuancer l'ensemble. Non, bien évidemment, c'est pas parce que une fois elle décide de partir en voyage que il y a du mieux. Il y a quand même un jeu entier qui a été développé où Peach est l'héroïne et un jeu qui est basé sur DS, qui est basé sur ses émotions. Où le but, c'est elle se met en colère, elle pleure, elle est joyeuse. Ça pose aussi pas mal de soucis, hein, de l'avoir mise en avant dans un seul jeu. Et le jeu est basé vraiment, le gameplay est basé sur ses émotions. Donc, associer les femmes seulement aux émotions. Donc là, pour moi, on est dans l'apogée. Si on va dans le détail et qu'on parle vraiment d'une fois, d'un titre, là, pour moi, c'est plus révélateur de quand même ce personnage de Peach qui est totalement à revoir. Après, tous ces personnages posent la question de fond pour moi, la question de la
de comment on se projette quand on est une joueuse ou une gameuse avec ces personnages-là, qui sont des personnages connus. Comment on grandit aussi avec les jeux vidéo, parce que Cooking Mama, c'est souvent des jeux auxquels on joue quand on est petit et petite. Hein. Donc, Cooking Mama, où le but quand même de tous les jeux, c'est de faire plaisir à son papa qui rentre en voyage d'affaires et d'apprendre à être une bonne cuisinière pour lui. C'est quand même ça le but des jeux. Je ne sais pas si vous les avez fait, j'ai écrit un article sur Léa Passion, qui est un like de Cooking Mama, hein, qui est quasiment la même chose. Et le but du gameplay, c'est ça aussi. Donc, comment on se projette dans ces jeux quand on est une femme et comment on se projette aussi quand on n'a que ce panel-là et que ce sont les personnages les plus connus aussi, comme Lara Croft, qui quand même, à l'origine, a été conçue vraiment pour le male gaze. Hein, son créateur l'assume. J'ai fait un personnage qui est agréable à regarder, surtout au niveau de son fessier. Il l'a dit. Hein. Ça, c'est... Je le cite, quoi. C'est vraiment... Et ça pose question de qu'est-ce qu'on offre aux femmes pour s'identifier au personnage. Voilà, le terme que j'avais pas, c'était l'identification. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le male gaze ? Je crois que j'ai plus son prénom, j'allais dire la streameuse, mais c'est pas avec un titre qu'on dit une personne. Excuse-moi. Hein. Nathalie ? Oui, oui. Elle en a parlé tout à l'heure, ouais, je crois qu'elle a très bien défini. Hein. D'accord. Super, bah, je ne m'attendais pas à ce qu'on me passe j'avais pas révisé, je suis désolée, c'est faux. Donc le male gaze, on peut le résumer assez facilement avec Bayonetta en plus, en gros c'est tout ce qui va tourner autour de la sexualisation du corps des femmes perçue par les hommes du mec blanc hétérosexuel. C'est vraiment la façon dont on veut voir les femmes toujours plus sexy, toujours un peu disponibles sexuellement, toujours comme un objet de fantasme, avant de les voir comme des êtres humains en fait. C'est vraiment le fait de transformer ces femmes au statut d'objets afin de satisfaire les envies, les fantasmes des hommes hétérosexuels blancs en général. C'est d'où l'exotisation qu'on a pu voir tout à l'heure. Exactement. C'est bon, j'ai une bonne note. Et du coup, comment on peut expliquer justement qu'il y ait autant de stéréotypes dans les jeux vidéo ? Alors, tous les jeux vidéo ne véhiculent pas forcément des stéréotypes, mais comment on peut expliquer ces stéréotypes-là dans l'industrie du jeu vidéo et pourquoi ils restent encore relativement dominants ? Je peux dire déjà que quand on n'a que 15% de femmes qui travaillent dans l'industrie, forcément, ça fait qu'on a beaucoup moins de diversité et qu'il y a une espèce de... Alors, ce n'est pas un consensus, mais il y a des biais, en fait, qui restent et qui n'évoluent pas et on reste dans un entre-soi. Et forcément, la vérité qu'on a dans l'industrie, c'est celle qui, pour nous, est la bonne. Il y a aussi les enjeux commerciaux qui on se dit, pour être sûr qu'un jeu va fonctionner, on ne fera pas forcément une héroïne, un personnage principal, encore moins une héroïne noire. On l'a vu avec Aveline de Grandpré dans Assassin's Creed. C'est pas mal de choses comme ça. Il y a déjà le problème de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie même, mais aussi les enjeux auxquels on va répondre pour essayer de parler à un plus large public, en tout cas un public qu'on pense être le public cible et qui n'est pas forcément le cas. Delphine, est-ce que tu peux revenir sur les slides ? Parce qu'on a une slide qui résume, enfin voilà, c'est celle-ci. Cette slide, je ne sais pas si tout le monde la voit. Jessica, tu ne dois pas la voir, je pense. C'est un graphique qui nous représente le genre des personnages dans les jeux vidéo et qui nous dit que dans le choix du personnage principal, il y aurait 65% des jeux où il y a une option qui est multiple. Donc on peut choisir un homme ou une femme. 22% où on ne pourrait choisir qu'un homme et un jeu où on ne peut choisir qu'une femme comme héroïne principale, ça représenterait uniquement 5% des jeux. La corrélation entre ce que tu disais, 15% de femmes dans l'industrie, 5% de jeux où l'héroïne principale unique est une femme, elle est intéressante, mais du coup, est-ce qu'on peut en déduire que les femmes font moins vendre de jeux vidéo ? Alors, je vais juste intervenir avant de laisser la parole aux autres. Je trouve que c'est paradoxal, c'est quand on peut choisir, en fait, il y a 60% de possibilités d'avoir le choix.
Alors oui, ça existe, mais les studios ne communiquent pas dessus. Il y a eu un exemple qui était assez flagrant, c'est Assassin's Creed, c'est Valhalla, où en fait le personnage principal, on a le choix entre un homme et une femme, et ils n'ont communiqué uniquement sur le personnage masculin. Donc si on n'a pas forcément cette connaissance-là, et qu'on n'est pas forcément un gamer hyper pro, qui joue beaucoup, on va regarder un peu dans les paramètres ou autres, etc., on va tout de suite aller sur ce que nous montre et sur la communication. Donc c'est aussi le rôle des studios, que ce soit les AAA ou les indés, qui font quand même beaucoup plus de travail là-dessus, mais de communiquer sur cette possibilité-là. Sinon, on ne peut pas savoir en fait qu'on a le choix entre plusieurs personnages différents. Voilà. Moi, du coup, juste pour rebondir sur le, est-ce que du coup les personnages féminins sont moins rentables que les masculins, c'est une question qui est beaucoup revenue justement à l'époque de Remember Me, le jeu de Dontnod, qui avait fait beaucoup de bruit justement parce que ils ont une héroïne, et en fait Dontnod avait expliqué qu'ils avaient eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout avec leur héroïne parce que du coup, les investisseurs étaient en mode, mais non, vous savez, c'est un public masculin, il faut leur donner un héros masculin, sinon ils ne peuvent pas s'identifier, etc. Et ils ont dû vraiment se battre pour la garder. Héroïne. Et en fait, il y a pas mal d'études du coup qui ont été faites et de recherches qui ont été faites sur ce sujet. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est une prophétie autoréalisatrice de penser que les héroïnes ne sont pas rentables. C'est-à-dire qu'on part du principe que les héroïnes sont pas rentables, donc on les met pas en héroïne dans notre jeu, donc on fait que des jeux vidéo avec des mecs qui sont rentables. Et les rares fois où il y a des héroïnes qui sont mises dans des jeux, et ben soit ça va faire scandale parce que les gens sont pas habitués et que du coup d'un coup il y a, n'oublions jamais que la communauté des gamers est extrêmement sexiste, donc forcément ça lance des problèmes. Soit en réalité, le jeu va peut-être être très bien, mais moins bien marcher sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Pour le cas de Remember Me, par exemple, s'il n'a pas marché, c'est pas du tout parce qu'il avait une héroïne, c'est parce qu'il y avait des petits trucs de gameplay qui n'étaient pas incroyables, et il y avait des petits problèmes techniques, mais en soi, rien à voir avec son héroïne vraiment. Et du coup, on aurait tendance à assimiler ça en mode, la preuve que ça marche pas. La preuve aujourd'hui étant que, bien sûr que si, on peut faire un jeu vidéo rentable avec une héroïne. Il y a Aloy de Horizon Zero Dawn qui l'a montré bien largement, et j'espère qu'elle ouvrira l'exemple à plein d'autres jeux vidéo. Mais du coup, ça, c'est vraiment quelque chose, il faut faire assez attention, parce qu'effectivement, c'est un argument qui revient très vite, de toute façon, les jeux vidéo avec des meufs sont pas rentables ou marchent moins, et en réalité, c'est faux, c'est uniquement parce qu'on a décidé que ces jeux-là, on est persuadé qu'ils marcheront moins, donc quand un jeu vidéo sort avec une héroïne, on se dit, c'est une héroïne, c'est probablement moins bien, et c'est la fin. Pendant des années, le jeu vidéo était considéré comme un divertissement plutôt pour les garçons, et ça laisse des traces. Et à l'instar du cinéma, quand les décisionnaires, parce que c'est toujours pareil, on peut faire une jolie photo à Cannes avec 50, 100 femmes, mais c'est 50, 100 femmes, et les milliers qu'il y a derrière, ce sont des hommes, où elles ont un rôle d'actrice, elles ont un rôle parfois de réalisatrice, sauf que producteur, etc., ça va rester dans le domaine de l'homme blanc hétérosexuel, que ce soit dans le cinéma français ou encore plus dans le cinéma américain, tant que c'est une affaire d'homme blanc hétérosexuel, on va garder exactement ce que tu disais. Et j'ai un exemple que j'aime beaucoup, qui avait pourtant fait mon adolescence et qui pose question, c'est la possibilité de choisir personnage féminin, personnage masculin, comme un Resident Evil 2, que ce soit la première ou le remake. Elle reproduit la même chose, c'est-à-dire que bêtement, je me disais, c'est bien, si on est une fille, on va interpréter le personnage féminin, si on est un garçon, ou en tout cas, on peut choisir. Sauf que quand on fait le jeu, quand on fait les deux versions, on se rend compte que quand on prend le personnage féminin, le jeu est plus facile. Régulièrement, le personnage est soutenu par un autre personnage masculin, baraqué avec un très joli magnum, de bonhomme. Hein. Donc les premières fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on constate ça, que le jeu est assez différent dans sa structure, dans justement ce que tu disais aussi, Jessica, sur la dimension émotion pour le personnage féminin, action pour le personnage masculin, ça pose question parce que un gamin de 10 ans qui voit ça, il s'en fait une représentation. Justement, Jessica, par rapport à ça, par rapport à ces représentations, je crois que c'est quelque chose qui date du début des jeux vidéo, ça a toujours existé. Oui. C'est aussi toutes vos prises de parole, elles m'ont fait passer à l'histoire des jeux vidéo quand on se penche sur comment les jeux sont arrivés, dans quel contexte et qui a créé les premiers jeux, qui a été à l'initiative des évolutions techniques qui ont permis Pong, Pac-Man ou etc. C'était des hommes, mais c'est pas un hasard ou c'est pas que les hommes étaient meilleurs que les femmes. C'était que les hommes avaient accès aux laboratoires des universités. C'était que les hommes pouvaient se payer des études supérieures
et c'était que les hommes étaient majoritaires dans les départements où les femmes ne pouvaient simplement pas être étudiantes. Donc c'est pour ça qu'au départ, hein, on n'a pas de grandes créatrices de jeux vidéo dans l'histoire des jeux vidéo. Elles vont venir après, hein, mais tout simplement parce qu'elles n'avaient pas accès à ces espaces. Donc je pense que se pencher sur l'histoire des jeux vidéo et essayer de comprendre comment ils sont arrivés nous renseigne sur ce stéréotype, sur cette idée reçue qui n'a fait que se reproduire en fait au fil des années, que le public majoritaire, celui qui consomme le plus de jeux vidéo, est l'homme blanc, cisgenre et hétérosexuel. Dans les faits, dans les chiffres, ça n'est pas le cas. Tout le monde joue aux jeux vidéo, qu'on soit adolescent, adulte ou plus âgé, hein. Toute sa vie, on va jouer aux jeux vidéo. Ça va être des jeux vidéo différents, mais je pense aussi qu'il faut revenir sur... Là, on a cité que des jeux qui sont des jeux, des gros jeux sur console. Mais savez-vous, hein, que le jeu vidéo le plus joué dans les pratiques actuelles, c'est le solitaire. Quand même. Et ça, c'est des jeux qu'on cite pas. Candy Crush, le solitaire, les jeux en flash sur Facebook. Mais c'est eux qui font la majorité des pratiques, hein, quand même, hein. Et ça aussi, hein, il faut en être conscient et consciente. Après, je suis totalement d'accord avec le fait que pour les grands jeux, malheureusement, dès lors qu'on met une femme en avant, quand même majoritairement, le budget communication ne suit pas. Et là, il est là le principal problème. D'où le fait que les femmes vendent, enfin les héroïnes vendraient moins de jeux vidéo, c'est une fausse question. Simplement, on leur donne pas les mêmes moyens. Du coup, je voudrais rebondir là-dessus. Vanessa a parlé de triple A. Pour expliquer un peu, les triple A, ça s'apparente plutôt aux blockbusters, les très grosses productions avec beaucoup de com, etc. Et on a aussi parlé des jeux indépendants. Ah ben super, on vous a sélectionné un petit... alors, Jessica, désolé. Un petit artwork d'un artiste qui a repris les personnages principaux de ces grands triple A, de ces jeux qui sont des très grosses machines commerciales. Et puis on a fait un parallèle avec des jeux indépendants, donc j'en parle parce que Vanessa l'a cité. Est-ce qu'il y a des jeux qui ne subissent pas cette contrainte marchande et qui sont peut-être un peu plus exemplaires? Alors Horizon Zero Dawn, c'est un très bon exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent? Est-ce qu'il y a des jeux, vous pouvez nous citer des jeux exemplaires, ou en tout cas qui tendent à se poser ces questions-là? Alors moi, je sais que je cite tout le temps un jeu, et je pense que je saoule tout le monde avec, dont ma petite sœur qui est dans la salle. C'est le jeu Hades. Qui est un jeu indépendant et que je trouve assez bien fait et qui a une très bonne critique, celle qu'elle soit critique des professionnels mais aussi du grand public. Donc en fait, Hadès, on interprète le fils d'Hadès qui s'appelle Zagreus et qui veut quitter les enfers, voilà. Donc il va faire tout un parcours, et ce qui est intéressant en fait, c'est que on est parti de la mythologie grecque, mais on a aussi ajouté d'autres mythologies. Et parmi les personnages dont les dieux et les déesses qu'on rencontre, on a inclus la diversité. Athéna, par exemple, est une déesse noire. Voilà, donc il y a aussi des personnages qui sont pas forcément non binaires, etc. Et je trouve que c'est un exemple en fait qui est assez louable dans ces dernières années. Et le jeu a d'ailleurs reçu pas mal de prix là-dessus par rapport au gameplay, par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à toute cette question d'inclusion. Alors, par rapport à vos pratiques, puisque on est tous gamers ici autour de la table, nous on se posait la question de savoir quel était votre quotidien en fait de gamer, gameuse, streameuse. Si tu peux nous expliquer aussi un petit peu en quoi ça consiste, Nathalie. Est-ce que vous êtes confrontée parfois justement à des problématiques par rapport
à votre genre, à votre origine ou autre. Jamais. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Bien évidemment, on ne m'a jamais fait de remarques sur mon genre, on ne m'a jamais fait de blague sur la cuisine de toute ma vie. C'est pour ça, si jamais quelqu'un veut me faire une blague sur les femmes dans la cuisine, ça sera la première fois que je l'entends de toute l'histoire. Vraiment. Bref, pour résumer un petit peu, donc, le quotidien d'un streamer, bah, déjà, pour résumer vite fait, parce qu'on a expliqué tout à l'heure, mais donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, donc, Twitch, c'est une plateforme, enfin, moi, en tout cas, je suis streameuse, donc c'est-à-dire que je me filme en direct sur une plateforme qui s'appelle Twitch, qui est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, une fois que vous êtes sur Twitch, vous avez votre chaîne, et c'est un peu comme si vous aviez une chaîne de télé qui vous appartient, sur laquelle vous êtes le présentateur principal à temps plein. Vous décidez de vos horaires et vous décidez de ce que vous allez montrer. Et en l'occurrence, bah, personnellement, je montrais énormément de jeux vidéo avant, et maintenant, je commence à me diversifier. Des fois, je fais des lives cuisine, des lives de voyage, des lives sur le féminisme et sur l'industrie du jeu vidéo notamment. Et donc, mon quotidien de streameuse, effectivement, c'est très souvent de jongler entre les insultes, les remarques relativement désobligeantes, les remarques sur mon physique. Je pense qu'on peut en compter au moins une ou deux par mois, grand minimum, quand tout est calme, on va dire. Une ou deux par mois, ça va être sur mon physique, ça va être t'es jolie, t'es moche, on va me parler de mes cheveux, on va me parler de mon poids, on va me parler de mes vêtements. Alors que je joue à des jeux vidéo, je peux jouer à des jeux bien sanguinolents à côté, je peux jouer à des jeux d'horreur, je peux jouer à des jeux de baston, je peux être littéralement en train de démembrer quelqu'un, en disant, oh, t'es quand même vachement sexy quand tu souris, voilà, bah, apparemment. Ça peut être des MMORPG aussi, bref, tout et n'importe quoi. En fait, les jeux vidéo sont souvent juste une excuse pour certains, pour se permettre des commentaires qu'ils ne feraient pas du tout à des streamers masculins, parce que honnêtement, je regarde pas mal de streams et très peu de streamers masculins ont des remarques sur « Oh, c'est une très jolie tête, oh, vous êtes bien habillée, oh, c'est un beau t-shirt, il vous met bien en valeur, etc. » Ça existe, hein, mais beaucoup moins souvent. Je dois aussi gérer, bah, c'est très drôle parce que j'ai lancé un live ce midi, du coup, quand j'étais en train d'arriver à Bordeaux. Et ce midi, j'ai eu un hate raid, donc j'ai eu un arrivage de bots qui ont spammé sur ma chaîne « Invasion de maghrébins, Zemmour 2022 », ce midi, ça date de ce midi. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point on n'est pas sorti de l'auberge et... que malheureusement, bah, en tant que streameuse et surtout en tant que joueuse, toute ma vie, en fait, on m'a rappelé que j'étais une femme. Je l'expliquais plutôt ce matin, mais moi, quand je suis une grosse joueuse de MMORPG, j'ai toujours dû camoufler ma voix. Il fallait surtout pas que les autres joueurs entendent que j'avais une voix féminine. Donc je devais toujours dire mon micro est cassé ou écrire dans le chat. Quand j'allais en convention, j'avais droit à des tests, parce que les gens étaient en mode « Quoi ? Toi, t'es une gameuse ? Non, vas-y, cite-moi les noms de tous les Pokémon. » Alors après, je citais tous les Pokémon dans l'ordre de notre numérotation et ils étaient tous verts, mais du coup voilà, j'ai quand même eu le droit à des tests, j'ai eu droit à des remarques, j'ai eu droit à des rabaissements, j'ai eu droit au fait que parce que j'étais une fille, on estimait que j'étais moins forte et du coup on me mettait dans des équipes un peu au hasard, bref, j'ai tout eu presque, pratiquement, et malheureusement ça continue encore aujourd'hui sur Twitch, encore en 2021, il y a toujours des a priori, des préjugés et plein d'autres choses qui continuent, et bah ça, c'est, je pense pas que c'est prêt de s'arrêter tout de suite en tout cas. Non, malheureusement. J'irai même plus loin, et c'est aussi pour ça que nous on a créé l'association Afro Gameuse, parce que on se retrouve dans une espèce d'intersection quand on est femme et femme racisée, et notamment femme afrodescendante, où on a effectivement des remarques sexistes, mais aussi des remarques racistes. Alors moi, je fais partie des femmes qui se sont censurées très tôt. J'ai commencé à jouer en réseau sur Counter-Strike, ça fait longtemps maintenant, et j'ai eu des remarques un peu sexistes qui m'ont pas mal bloquée, et donc moi j'ai arrêté très tôt de jouer aux jeux multi. En revanche, dans l'association, on a beaucoup de streameuses, et c'est aussi comme ça que Jennifer Lufou, la présidente et fondatrice, a créé Afro Gameuse. En se rendant compte, en fait, de plein de raids haineux, de remarques, en fait, sexistes et racistes, donc, d'aller faire du mafé, voilà, des noms, le N-word, pour ne pas dire autre chose, des choses comme ça, que les noirs aillent mourir, voilà, pas mal de choses comme ça, en fait, qui arrivent, et qui, en fait, impactent et déstabilisent l'expérience de jeu.
Et on s'est dit, en fait, ben, c'est un vrai problème. Et comment on fait, en fait, pour lutter, pour lutter contre ça, déjà en parler. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association, pour permettre, en fait, de créer un espace un peu safe entre streameuses et se soutenir, parce que c'est ce que tu disais, Nathalie, par rapport aux raids ou aux commentaires qui arrivent, il y a un vrai problème de modération en fait sur Twitch. Et on se retrouve en fait à devoir faire de la modération entre nous, membres de la communauté, où je pense que pareil, toi, Nathalie, tu dois avoir des gens qui modèrent ta chaîne. Et c'est un vrai problème des plateformes qui ne prennent pas ce problème, enfin qui ne prennent pas en fait en charge cette chose. Et on se retrouve donc soit à faire de la modération nous-mêmes, et c'est éprouvant en fait déjà émotionnellement de le faire. Et sinon, il y a des applications qui sont mises en place. Notamment, nous, on travaille pas mal avec eux, qui s'appelle Bodyguard, qui en fait, c'est une application qui lutte contre les commentaires haineux, mais sur tous les réseaux. Et ça permet en fait de nettoyer de manière assez automatique, voilà, tous ces raids là. Et ce qui est assez vicieux, après je vais arrêter parce que sinon je peux en parler pendant encore 10 minutes, c'est tous ces raids qui arrivent de bots et autres. C'est pour tenter de déstabiliser les streameuses, parce que si on a une position trop dans la défensive et trop agressive, et ben en fait on va signaler la chaîne en disant que ben elle ne respecte pas les règles de la chaîne. Où voilà, c'est toujours dans le côté de déstabiliser en fait et de toujours ternir l'expérience de jeu, et surtout quand on est sur de la performance et autres, et ben au final on se retrouve à pas scorer comme on voudrait ou à pas profiter de l'expérience, et toujours être dans une expérience qui est complètement nulle. Alors que c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute des streameuses et des streamers, mais on a toute cette toxicité en fait qui existe et qui continue et qui malheureusement ne va pas s'arrêter tout de suite. Je voulais poser aussi une question à Jessica. Du coup, sur, tu disais, hein, les jeux, le jeu le plus joué, c'est le solitaire. Donc, il y a des profils de joueurs et de joueuses extrêmement différents. Par rapport à ces profils, quels sont les différents types de profils de joueuses et comment elles vivent en fait tous les débats qu'il peut y avoir autour du jeu vidéo, du sexisme, du harcèlement, etc. Alors moi, j'ai fait essentiellement mes travaux sur les joueuses en ligne. Hein, c'est un peu, ça rebondit sur les différentes interventions. Hein. Moi, j'ai travaillé sur les gameuses qui jouent, qui se définissent comme gameuses déjà, et qui jouent essentiellement en ligne. Donc, j'ai pas travaillé sur les petites pratiques. Je dis petites pratiques, je devrais pas d'ailleurs. Hein, ce sont des pratiques à part entière, tout à fait. Hein. Donc, avec un échantillon qui est plutôt jeune, hein, en grande majorité, hein, qui va de 20 à 40 ans. Mais c'est vrai que dans l'âge, il y a des ados aussi qui jouent, il y a des personnes plus âgées, comme je disais. Hein. Et de ce qu'on sait de leur pratique, vous avez d'ailleurs un super bouquin qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui s'appelle, je vais sur mon bureau, c'est pas une promotion, hein, c'est des collègues qui l'ont écrit, j'ai pas écrit dedans, qui s'appelle « La fin du game », et qui montre très bien justement que les pratiques sont diverses et qu'on joue partout, tout le temps. Vous avez des super immersions sur des femmes aussi et des hommes, vous avez des portraits, hein, des gens qui jouent dans la salle d'attente du médecin, des gens qui jouent dans le métro. Je pense qu'on peut tous et toutes se retrouver dans ces portraits-là. Pour ce qui concerne les femmes, elles ont des pratiques aussi diverses que ça. Hein. En fonction des âges aussi, on les retrouve partout. Et en ce qui concerne les jeux en ligne, c'est vraiment à l'image des deux témoignages, hein, qu'on vient d'avoir. Hein. Les femmes, quand elles jouent en ligne, elles jouent entre elles, souvent. Il y a beaucoup d'entre-soi, pour se préserver justement des attaques, du sexisme et du harcèlement, hein, qui est la loi, hein, dans les espaces en ligne, ou pour pouvoir jouer avec le micro, comme le disait tout à l'heure Nathalie. Hein, elles vont plutôt jouer avec des personnes de confiance, et c'est ce qui va être déterminant pour elles. Hein, c'est mes partenaires de jeu, je les connais, je sais qui ils sont, et je leur fais confiance, et c'est comme ça que je vais jouer au quotidien, hein, dans un MMORPG ou dans un jeu en ligne avec mes amis,
mes amants. Bon, après, il y a des conjugalités, il y a ce type de choses aussi qui est quand même très intéressant de voir. Hein. De toute façon, on se met toujours en couple avec des personnes qui ont les mêmes loisirs que nous. En général, il n'y a pas de breaking news hein, à ce niveau-là. Mais le facteur déterminant pour les femmes, les gameuses, ça va être hein, de se préserver et de jouer le plus sereinement possible, quitte à même créer des équipes elles-mêmes où les règles d'entrée sont très strictes et elles vont privilégier le jeu entre elles hein, pour pouvoir se préserver avant tout. Merci. Benoît, tu voulais... Non, je voulais juste dire, on vous a mis des exemples de ce que... Pour revenir un peu en arrière, mais ne vous approchez pas pour lire ces choses parce que c'est assez horrible, des messages qui peuvent arriver en direct. Et sans rentrer dans le détail et sans vous lire ce qu'il y a écrit, mais on voit là, sur la fenêtre de gauche, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 messages qui sont identiques et qui sont des insultes racistes terribles. Et je voulais juste préciser ce que disait Vanessa. En fait, le jeu, là, c'est de se connecter avec un pseudo qui a phonétiquement qui veut dire une phrase une insulte et la règle, comme disait Nathalie, quand vous êtes sur votre chaîne, c'est votre chaîne, donc quand quelqu'un arrive, vous l'accueillez et vous l'accueillez en l'appelant par son prénom, et le jeu, c'est de faire dire des choses qui sont répréhensibles en plus par la loi, et ainsi de pouvoir après signaler la chaîne et dire regardez, ce streamer a des propos qui sont interdits par les règles de la plateforme. Donc c'est même encore plus vicieux, ouais, qu'un message que finalement tu ne lis pas, mais là je vais pas dire ce que nous a envoyé Jennifer, la présidente de l'association, mais je veux bien. Alors, si c'est bon, il n'y a pas d'enfants dans la salle. En gros, à la base, c'est quelque chose qui se fait énormément sur Twitch. On a tendance à dire merci, par exemple, quand il y a des donations. Et du coup, il y a un moment très connu de ça avec un streamer qui s'appelait Benzaï qui disait oh, merci, machin, pour tes donations. Et en fait, ces viewers ont commencé à trouver ça amusant et ils se sont dit bah, on va se donner des petits noms sympas. Et donc, à un moment, il y en a un qui est passé qui s'appelait Phyllis. Et du coup, il a dit merci, Phyllis, pour les 5 euros. Voilà, et le but c'est de faire ce truc-là, mais imaginez avec des insultes absolument horribles. Et malheureusement, bah, des fois, bon, là c'était dans les cadres de ce qu'a montré Jane, c'était assez évident, mais des fois c'est très subtil et ça peut très vite devenir une catastrophe. Benoît, je te laisse enchaîner. Ouais. Du coup, on fait ce constat que tout le monde joue aux jeux vidéo, qu'il y a toutes ces problématiques qui existent, qu'il y a des studios qui réfléchissent différemment à la manière dont ils créent, qu'il y a une grande diversité, malgré tout, il y a encore toutes ces discriminations. C'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire demain? Comment on peut faire, nous, tous ici présents, en tant que professionnels, en tant que parents, en tant que joueurs, pour faire changer les mentalités? On a un rôle à jouer, et vous, public, et si oui, bah, donnez-nous des tips, donnez-nous des astuces. Bonjour, oui, tout cramé. En fait, pour l'industrie du jeu vidéo précisément et l'industrie des AAA dont tu parlais tout à l'heure, on est dans un cas où c'est tellement ancré, c'est tellement profond que je me pose très sincèrement la question de me demander s'il ne faudrait pas juste tout cramer et recommencer sur des bases saines pour reprendre Kaamelott, parce que vraiment, dans le cadre d'Ubisoft, de Activision Blizzard et de d'autres boîtes, parce que ça a lancé une réaction en chaîne qu'on a vu un peu de partout, on apprend ça, ça fait des années, en fait on a appris que ça faisait des années qu'il y avait du harcèlement sexuel, du chantage, des abus qui étaient couverts directement à l'intérieur par des RH, des années que ça dure, et par exemple dans le cadre d'Ubisoft, ça a beau avoir fait un an que ça dure, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Il y a encore, vous pouvez regarder sur la page des syndicats d'Ubisoft, ils vous diront que rien n'a été vraiment fait pour améliorer les choses et que c'était que de la com. Et du coup en fait, ce qui m'inquiète, c'est que dans le cadre des très grandes boîtes, elles ont tout intérêt à nous dire d'un point de vue communication
l'éducation. Oui, vous inquiétez pas, on fait tout pour changer les choses. Oui, vous inquiétez pas, on embauche des femmes. Oui, vous inquiétez pas, on a des associations féministes, etc. Mais derrière, ben, en vrai, factuellement, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et ben, c'est que de la com et c'est que de la poudre de perlimpinpin, et, pour reprendre notre bon président. Et du coup, ben, j'ai un peu peur que malgré toutes les choses qu'on va essayer de faire pour essayer de réformer ça, ben, nous déjà, individuellement déjà, on ne peut pas y faire grand-chose. Très sincèrement, j'aimerais vous dire que si on se met tous dans la rue demain, on peut changer les conditions de travail d'Ubisoft, mais c'est faux. Parce que la réalité, c'est que des studios comme, ben, pardon, je les cite beaucoup, mais des studios en tout cas de jeux AAA, ce qui les fera changer, c'est pas d'avoir des gens dans la rue, c'est pas de boycotter leur jeu, c'est que les investisseurs, donc les personnes qui leur donnent de l'argent, leur disent « Ok, c'est stop, on arrête ». Et les personnes qui leur donnent de l'argent, bon, les droits des femmes, c'est pas leur priorité, pour rester poli. C'est leur priorité à partir du moment où ça leur fait perdre de l'argent. Mais c'est compliqué d'arriver à ce niveau-là. Du coup, honnêtement, je suis pas sûre qu'il y ait une seule bonne solution de ce qu'on peut faire pour sauver l'industrie du jeu vidéo, en tout cas du point de vue des triple A. Par contre, ce qu'on peut faire pour être sûr que l'industrie du jeu vidéo aille dans la bonne direction, bah déjà, en tant qu'individu et en tant que client, c'est soutenir des jeux qui respectent nos valeurs. Si vous êtes féministe, bah, achetez des jeux autant que possible qui sont faits par des femmes, qui sont faits par des studios indépendants, qui sont un minimum cool, quoi, que, sur lequel vous n'avez pas eu des bails terribles en tout cas, parce qu'on sait jamais, ils vont peut-être sortir après, mais bon, prions. Donc déjà, juste ça, déjà faire preuve de soutien envers les jeux indépendants qui essayent de changer un peu des triple A, ça peut être vraiment bien. Je pense aussi faire attention au... L'air de rien, le jeu vidéo, c'est un milieu qui est très grand et qui tourne avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Par exemple, ça en a peut-être pas l'air, mais des fois, les streamers qui vont jouer au jeu, ils sont importants aussi, parce que les streamers, c'est ceux qui vont faire de la pub au jeu et donc faire en sorte que le jeu se vende. Bah, du coup, potentiellement, si jamais vous voyez un streamer qui, pareil, ne correspond pas à vos valeurs, bah, peut-être, ne le soutenez pas, ne lui donnez pas de l'argent si jamais il fait des dérapages sexistes ou racistes que vous trouvez intolérables, parce que du coup, ce streamer qui sera pas mis en avant, bah, ce sera un streamer raciste ou sexiste de moins qui sera financé par l'industrie du jeu vidéo pour faire de la pub à des jeux et donc qui fera pas de la pub à ces jeux-là auprès de personnes qui potentiellement ont un peu les mêmes goûts et un peu les mêmes blagues que lui. C'est des petites choses en fait, des tas de petites choses qui peuvent faire un effet boule de neige et je pense que en tant qu'acteur du jeu vidéo, bah, il faut vraiment qu'on... Enfin, c'est difficile parce qu'en fait, en tant qu'acteur du jeu vidéo, on peut déjà essayer de faire tout ce qu'on peut. On essaye déjà de faire des syndicats, on essaye déjà de faire de la prévention, on essaye déjà de faire de l'éducation, etc. Mais ben là, de toute évidence, avec tout ce qu'on voit en ce moment dans les boîtes de jeux vidéo, j'ai pas l'impression que ça suffise. Donc, ben, embaucher plus de meufs, se battre pour que les meufs puissent rester dans la boîte et qu'elles aient des conditions de travail décentes, ce sera déjà pas mal. Et bien évidemment, bah, les meufs noires, toutes les personnes marginalisées, en fait, il faut à tout prix qu'on leur trouve une place dans l'industrie et qu'on leur défende férocement cette place et qu'elles soient pas là que pour les quotas, quoi. J'ai envie d'être un peu optimiste et de me dire que... que faire confiance peut-être aux nouvelles générations. L'idée, c'est aussi de faire de la pédagogie, l'éducation au niveau des écoles, parce qu'on sait en plus dans les écoles de gaming, clairement, elles sont ultra toxiques aussi, et ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et des jeunes filles qui y sont. Mais au-delà de ça, c'est de faire des formations, d'expliquer en fait ce que sont les biais, ce que sont les jeux vidéo, comment les personnages en fait sont représentés auprès d'un public qui connaît le jeu vidéo, mais aussi d'un public plus jeune en fait, qui se construit via ce média, parce que malgré tout, ça reste une des premières industries du divertissement dans le monde. Et quand on est jeune fille ou jeune garçon, et ben finalement, on se fait une représentation du monde via aussi les jeux vidéo, via les personnages, via les histoires qui sont racontées. Et ça nous paraît important en fait de les éduquer, en tout cas de montrer la diversité et ce qu'on peut faire de différent en fait dans le jeu pour améliorer les choses. Parce que clairement, il y a un vrai problème actuel, mais faut aussi essayer de croire en l'avenir et dans les générations de faire changer en fait les mentalités. Via en fait tout ce travail en fait de pédagogie, d'éducation dès le plus jeune âge.
Je poursuis cette idée d'éducation en tant justement qu'animateur. Je m'intéresse plus directement aux écoles, collèges, lycées et aussi dans les salles de cinéma. Il y a un petit prétexte ces derniers temps dans les salles de cinéma. Le CNC finance beaucoup d'accompagnement pour les 15-25 ans parce que c'est un public qui est difficile à capter dans les salles. Et donc il y a une espèce d'ampoule comme ça qui s'allume pour beaucoup d'exploitants. 15-25, jeux vidéo, ça va matcher. Alors c'est très limité, certes. Mais on va dire que c'est une fenêtre ouverte. À partir de là, ce qu'on voit souvent, c'est ah ben, ce serait bien qu'ils jouent au maximum, qu'ils fassent du Mario Kart, qu'ils fassent du FIFA, tout ça. Bon, là pareil, c'est très 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 limité. Et justement, la place de l'intervention cinéma, en salle de cinéma ou la place de la médiation du jeu vidéo en salle, c'est pas juste de dire je viens, je branche les manettes et vous jouez pendant une demi-heure, pendant une heure. Enfin, ça c'est pas de la médiation, ça c'est technique, c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais l'idée, c'est justement, ça a été dit, c'est de défendre des jeux indépendants qui sont justement plus diversifiés dans les thématiques, dans la représentation des personnages, qui sont à défendre. Donc il y a déjà cette approche-là, mettre entre les mains de personnes, quel que soit l'âge, des jeux. Plus développé, plus détaillé, plus intéressant peut-être. Et aussi, du point de vue des scolaires, il y a quelque chose d'assez fascinant. Le cinéma est rentré dans les écoles, collèges, lycées depuis pas mal de temps. En revanche, le jeu vidéo, c'est incroyable, on n'y touche pas. Il y a ce côté, je ne sais pas trop quoi en faire. Alors, on en a des cours sur les réseaux sociaux, sur la prévention, tout ça. Mais sur l'éducation artistique, en fait. Quand on fait de l'analyse de l'image en cinéma, on fait de l'éducation artistique et tous les codes cinématographiques vont permettre à un individu quelconque aussi de voir la manipulation dans une publicité, dans un meeting politique, sur des réseaux sociaux, etc. Ce sont les mêmes, c'est les biais cognitifs, les représentations visuelles sont les mêmes. Et dans le jeu vidéo, on ne s'en sert pas, comme si le jeu vidéo n'était pas lui aussi un art audiovisuel, alors qu'il y aurait énormément de travail à faire là-dessus. Alors il y a une question de génération, c'est vrai que il n'y a pas longtemps, j'ai fait un accompagnement sur un documentaire, et je posais la question aussi de la place de l'empathie de la fiction dans le documentaire, dans le réel. Et en ouverture, comme ça, en espérant pas trop me faire agresser par les enseignants, je présente un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, qui est un jeu dans lequel on suit une Syrienne qui va traverser plusieurs pays jusqu'à l'Allemagne. Et j'ai eu un cas où on s'est dit, où des enseignants sont, ah ben c'est quand même une expérience intéressante, justement vidéoludique, pour traiter d'un sujet, et d'autres qui ont dit, mais c'est quoi cette horreur? Quand on perd, est-ce qu'il y a un game over? Tout ça. Oui, mais moi, de toute façon, je connais les jeux vidéo, mon fils y joue à ça. Voilà, ça c'est des choses qu'on entend beaucoup, mais je crois à la fois cette dimension de nouvelle génération, à la fois au niveau des écoles de gaming, des écoles de design, etc., et aussi sur vraiment l'éducation des, entre guillemets, des consommateurs. On en parle beaucoup, hein, de l'éducation des consommateurs pour les produits qu'on achète, pour les aliments, etc. Je pense que pour ce que l'on consomme à la télé et sur les jeux vidéo, je pense qu'il y a de quoi faire aussi. Jessica, je te laisserai rebondir sur ce qui vient d'être dit, et je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'études justement sur le genre et la diversité dans le jeu vidéo actuellement en France ou ailleurs. Je vais peut-être répondre à ça en premier, et puis après je vais rebondir, toujours à faire un résumé de tout ce qui a été dit, j'ai l'impression que c'est mon rôle. Au niveau de la recherche universitaire en France, en sciences humaines et sociales, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Enfin, il y a un courant, hein, de recherche qui s'appelle Game Studies. Donc, tous les chercheurs, les chercheuses qui travaillent sur les jeux vidéo sont dans ce courant-là, quoi. En fonction des disciplines, il y a différentes orientations. Mais il y a de plus en plus de recherches. Mais au départ, les recherches sont centrées sur la déconstruction de l'addiction et de la violence, pour montrer que non, les jeux vidéo, ça ne rend pas violent. Non, les jeux vidéo, ça n'est pas de l'addiction. C'était au centre des débats, surtout médiatiques, hein, à une certaine époque. Et là, on en est à essayer de montrer un petit peu la diversité, même si j'aime pas ce mot. Je préfère inclusivité à diversité, puisque diversité renvoie toujours à une norme. La norme serait les hommes. Ça me dérange. Donc, avec des recherches plus inclusives, mais on démarre à peine. Moi, j'ai fait une thèse en sociologie. Je suis la première thèse en France en 2012. J'ai commencé, hein, j'ai soutenu depuis, à travailler uniquement sur les femmes qui jouent. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, hein. Et d'ailleurs, les principales conclusions de mon travail ont été justement, c'était au tout début, j'ai fini ma thèse quand Afrogamer s'est monté. Donc je les cite dans ma conclusion en montrant, bon, ok, moi j'ai fait ça. J'ai essentiellement travaillé d'ailleurs sur des gamers blanches. J'ai pas eu de personnes racisées dans mon échantillon. Donc voilà, la suite, elle est là. Et les principales pistes, hein, l'espoir pour moi, parce qu'il en faut, hein, même si je suis d'accord avec Nathalie sur l'aspect un peu pyromane, hein, qui est parfois aussi nécessaire, et des fois, hein, on en vient à se dire ça parce qu'il y a tellement peu d'espoir avec les affaires qui sortent et qui se reproduisent à l'infini.
Mais il y a quand même ces lueurs d'espoir, surtout dans les collectifs. Moi, j'ai l'impression que c'est là que ça va se jouer, dans les collectifs militants, de militants, militantes, avec les jeux queer, avec les collectifs de personnes racisées, des collectifs aussi d'indépendants entre personnes racisées. J'ai vu ça passer aussi, c'est super intéressant. Et qu'est-ce que vont nous proposer ces collectifs-là? Est-ce que ces collectifs vont faire de la formation? Je pense que c'est un réel enjeu. Je suis d'accord avec Vanessa, la formation, hein, c'est vraiment un réel enjeu parce qu'on voit que plus on met les gens au courant, ça passe par ça. Ça passe par la visibilité, par la déconstruction, avec une porte qui a quand même été ouverte, hein, on peut le dire, hein, par Marlard, hein. À l'époque aussi, en 2012, ça a été celle en France qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Et quand on voit la réception de tout ce qui lui est arrivé, c'est quand même assez symptomatique que cette culture est malade. Les jeux vidéo sont malades. Moi, je suis totalement d'accord avec elle sur ce constat-là, quoi. Donc, continuer la formation. Et aussi, je suis d'accord, hein, l'enjeu de l'accompagnement des pratiques. Les recherches montrent que les parents, souvent, n'accompagnent pas. C'est une pratique culturelle, les jeux vidéo. On va accompagner son enfant au musée. Je prends le musée, j'aurais pu prendre autre chose, hein, en lui expliquant les tableaux, etc. Mais quand son enfant prend une manette hein, ou quand son enfant va sur le Play Store, hein, on ne l'accompagne pas. C'est quand même assez symptomatique hein, de parce que la pratique est médiée par un écran, on va laisser l'enfant se débrouiller. Donc moi, hein, quand je fais des conférences ou quand je parle souvent avec des parents, ils me disent « Mon enfant est accro à Fortnite, aidez-moi ». Je leur dis, mais je ne peux pas vous aider. Votre enfant est accro à Fortnite, ça n'est pas la faute de Fortnite. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Hein. Et j'essaie de les emmener hein, vers une réflexion où finalement, les enfants hein, ont une pratique à l'image de leurs parents. Plus on va accompagner les pratiques, plus on va s'informer, mais ça prend du temps tout ça, hein. Plus on va réussir à avoir des choses qui bougent et à avoir des enfants, des ados et des jeunes adultes qui s'interrogent qui vont pas toujours jouer au même jeu et qui vont chercher justement hein, des expériences un petit peu à part. Je parle beaucoup de parentalité, excusez-moi, c'est parce que je suis en plein dedans et c'est pour ça que je suis dans un Mac aussi, je l'ai pas précisé au début. Je suis enceinte, donc j'ai très très mal au dos. Donc c'est des thématiques qui forcément hein, font écho à ce que je vis en ce moment, mais qui sont c'est par là qu'on va réussir à s'en sortir. Mais après, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir totalement? J'aurais tendance à répondre non, étant donné qu'on vit dans une société patriarcale. Le principal problème, il est là. Hein. Il faudrait changer la société pour changer les jeux vidéo. Je vais m'arrêter là, c'est pas mal quand même. Merci beaucoup. J'avais une question, notamment pour Nathalie, parce que j'ai vu sur un stream du coup qu'elle parlait sur justement... Blizzard et tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passe autour de Blizzard en ce moment. Quelque chose d'un peu similaire en France, où il y a des députés qui avaient déposé un projet d'amendement visant à priver des subventions les jeux vidéo sexistes. Ce type de, qu'est-ce que tu en penses toi de... C'est un beaucoup d'épées dans l'eau, je trouve. C'est pas mal, hein. L'eau, elle a dû prendre cher, là. Je pense que l'idée est bonne. Le problème, en fait, c'est que... C'est quoi un jeu vidéo sexiste ? C'est bien d'arriver et de dire, bah voilà, votre jeu, il est... Comment tu vas voir des boîtes de jeux vidéo pour leur dire, bah votre jeu, il est sexiste ? Et comment est-ce que tu arrives à leur prouver que le jeu est sexiste ? Parce qu'en vrai, en général, le jeu en lui-même, alors, il est sexiste, mais c'est quand même très subtil, parce que... Si vous prenez Tomb Raider par exemple, si on oublie hein, ce qu'a dit le développeur, si on prenait juste Tomb Raider, les premiers Tomb Raider, si quelqu'un arrive en disant oui quand même Lara Croft elle a juste des gros seins, vous êtes là juste pour la mater, c'est quand même sexiste, ils vous diront bah non, Tomb Raider c'est une héroïne, elle fait tout le jeu toute seule, elle se bat, elle est badass, elle fait plein de trucs, c'est absolument pas sexiste. Et en fait à mes yeux c'est juste un énorme coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien en plus de punir les jeux une fois qu'ils sont finis, de dire oh là là vos jeux sont sexistes. Par contre, si on en venait à taper un petit peu plus sur les doigts des studios, par exemple, là déjà, j'ai envie de me dire, il y aurait peut-être quelque chose. Mais en vrai, pareil, taper sur les doigts des studios, en théorie, ils sont censés le faire. Mais du coup, les studios ont trouvé des parades dans le cadre de Ubisoft, Activision Blizzard, etc. Le plus gros problème qu'on a en ce moment, c'est ce qui s'appelle la clause de négociation. Non. Comment ?
médiation, bien joué, merci beaucoup. La clause de médiation qui fait qu'un employé, si jamais il subit du sexisme, du racisme ou n'importe quoi de préjudiciable dans sa boîte, il n'a pas le droit d'aller voir un avocat et la justice pour demander à la justice de se faire protéger et une réparation légitime. Il doit aller voir un médiateur qui est payé par la boîte pour négocier avec la boîte pour essayer de régler le problème. Et ça, du coup, c'est un énormissime problème parce que c'est de là que vient les trois quarts des soucis qu'on a pu voir émerger dans l'industrie du jeu vidéo depuis l'année dernière, et même depuis bien avant, hein, ça fait des années que ça dure. Et en fait, le problème, c'est que cette clause, justement, elle est là pour protéger les industries de la loi. C'est-à-dire que comme ça, la grosse industrie du JV se dit, la loi, c'est vrai que c'est terrible, mais bon, on est là pour faire de l'argent. Donc c'est bien la loi, mais s'il y a moyen de passer à côté pour faire un peu plus de thunes, et globalement c'est comme ça qu'il passe. Donc c'est très compliqué, je pense, de juste arriver et dire on va faire un amendement qui va tout régler. Je pense qu'il faut vraiment plus essayer de voir le problème en profondeur. Imposer des quotas dans les studios, c'était la base, par exemple, et il faut continuer dans cette direction parce que les gens ont tendance à dire oui, c'est juste des quotas, ils sont là pour rien. Non, ils sont là pour essayer de sauver l'industrie, en fait, parce que sans le minimum des quotas, on n'ira nulle part. Et du coup, continuer à essayer d'imposer plus d'inclusivité, du coup, pour ne pas dire diversité, parce que je suis d'accord, imposer plus d'inclusivité du coup dans les studios, c'est déjà juste un début, et commencer vraiment à trouver des moyens de punir ces studios qui enfreignent aussi ouvertement les lois mais qui s'en sortent quand même parce qu'ils ont réussi à trouver des petits tours de passe-passe juridiques, quoi. Merci. Benoît, tu avais une question? Non, mais on pourrait, je serais intéressé de discuter avec Hervé, de faire le parallèle avec ce qui se passe dans le cinéma. Tu nous disais, quand on préparait ce temps-là, que le cinéma était en avance ou en retard sur le jeu vidéo ? Non, il est en retard ou en avance, je ne sais pas, mais il repose sur les mêmes questions économiques. C'est-à-dire que le système d'indépendant et de mainstream blockbuster est le même que pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo va plus vite. Le jeu vidéo et le cinéma ont connu à peu près la même histoire, mais en deux fois plus rapide, pour devenir aujourd'hui le premier divertissement culturel en termes du point de vue économique. Ce que j'entends là sur cette manière d'avoir une loi, mais une loi qui est interne au studio finalement et qui permet de détourner, c'est le code de censure des films américains, en fait. C'est qu'ils se sont dit, oula, on risque de faire taper sur les doigts par le FBI ou le gouvernement, on va faire notre propre code en interne, comme ça au moins on peut s'arranger, on a des discussions avec les religieux d'un côté, etc., etc. Donc vraiment tout faire en interne pour qu'au bout du compte, on puisse sortir la meilleure production possible pour avoir le plus de pognon possible, même si on ne répond pas aux critères. Pour rester dans le cinéma américain, dans cette idée de mainstream, il y a eu des études qui ont été faites en 2016, en 2017, et notamment après le Oscar So White, parce que quasiment pas de représentants non blancs aux Oscars en 2016. Il y a eu plusieurs études, plusieurs mouvements, plusieurs modifications, et une qui va arriver en 2024, pour dire quand même qu'il faut du temps pour faire des choses qui ont l'air assez évidentes, c'est que ne pourra être primé comme meilleur film aux Oscars, donc aux Oscars, que s'il répond à deux sur quatre critères qui sont, il faut qu'il y ait un personnage non blanc, de minorité, peu importe, qui soit principal, soit 30% de personnages figurants, soit que ce soit le sujet du film. Donc là, pareil, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on détourne. Question, le deuxième critère, un stage payant, justement pour sensibiliser aux minorités. Il est question aussi de présence dans l'équipe de distribution et de marketing de personnes non blancs ou minorités, ainsi de suite. Et de même pour la partie créative. Il faudrait absolument qu'il y ait une à deux personnes, voilà, dans la partie production-réalisation. Encore une fois, il y a ces critères-là en 2024, c'est des choses qui peuvent être mises en place bien plus tôt, et surtout, qu'est-ce que ça va donner ? Ce qu'on voit dans la production mainstream, ça c'est intéressant, parce que y a eu MeToo, il y a eu beaucoup de questionnements sur la place des personnages féminins. Je me sers toujours, encore une fois, de manière un peu caricaturale, mais qui est aussi une forme de représentation, les figures féminines dans les films de super-héros. Les figures non blanches dans les films de super-héros. Faites le compte, ça va aller vite. Et c'est pas parce que, alors on avait utilisé cet exemple parce que je le trouve
contre-productif, c'est la fin de Avengers Endgame, donc vraiment l'apothéose de 15 ans de films de super-héros, où on a deux plans de 30 secondes dans lesquels on a toutes les héroïnes des super-héros qui disent « en avant les filles », ça dure 40 secondes, c'est bon, vous êtes contents, on a fait notre moment MeToo, maintenant pour revenir au vrai bonhomme. C'est affreux de voir ça. Et de la même manière, le contexte de sortie de Black Widow, qui a un film sur un personnage qui était relativement important, et je dis bien relativement parce que c'est pas évident, pareil de la franchise du Marvel Cinematic Universe, et là aussi il est jeté juste après le déconfinement, il est mis sur la plateforme en même temps, jamais il aurait fait pour Spider-Man. Donc il y a de temps en temps des moments où on se dit bah tiens, ce personnage féminin est un peu détaillé, etc. Mais quand on prend en compte le modèle de production, quand on prend en compte le mode de distribution ou de marketing, bah, c'est plus du tout la même chose. Donc on revient à cette idée de contourner. Et alors je parle des États-Unis, mais en France c'est pareil, hein, les mouvements 50-50, les mouvements justement sur la représentation des minorités en France, on a les mêmes difficultés. En France, on n'a pas d'études vraiment racisées dans le cinéma français. Il y a comme une espèce de on n'y touche pas, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver au bout, même si fondamentalement on le sait. Le CSA l'a fait par contre pour la télévision. Tout programme confondu à la télévision en 2017, si j'ai bonne mémoire, c'est 16% de non-blancs. Et je ne parle pas des personnes. Alors les femmes, je crois qu'on est autour de 25%. En fiction, enfin voilà, c'est que des chiffres comme ça en permanence. Et entre 2007 et 2017, il n'y a eu quasiment aucune évolution dans la représentation, dans l'inclusivité à la fois des personnages féminins, des personnages non blanches, des personnes ayant toute forme de handicap. On est toujours au même stade entre 2007 et 2017. C'est assez hallucinant. Et j'irais même plus loin. En fait, ce qui est compliqué en France, c'est le fait qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques. Parce qu'on part du principe que les quotas, voilà, pas de quotas, ce qui peut partir d'une idée noble hein, au départ, sauf qu'en fait, ce que tu viens de dire, Hervé, c'est que on peut pas quantifier en fait ce genre de choses, et souvent quand on parle en fait de la toxicité qu'on a dans le jeu vidéo, mais dans d'autres domaines. Ça va être dit, oui, mais c'est du ressenti. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Oui, mais c'est toi, ton expérience. Oui, mais ceci, mais cela. Et en fait, ce qui fait qu'on n'a pas de données tangibles qui expliquent en fait qu'il y a un vrai problème d'inclusion et d'intégration en fait de différentes minorités, même si le terme minorité est un terme que je n'aime pas non plus, mais de personnes diverses et variées en fait. Et tant qu'on n'aura pas en fait ces chiffres quantifiables, parce qu'il y a un problème. Et en fait, je pense qu'on est un peu comme ça. On se dit oui, ok, d'accord, mais on ne veut pas vraiment voir les choses en face, et ben ça n'avancera pas. Et c'est pour ça que nous, au sein de l'association, on essaye de travailler sur une étude justement pour quantifier un peu la toxicité dans le jeu vidéo par les personnes racisées. On travaille notamment avec Mehdi Derfoufi, donc qui est quand même spécialiste dans le domaine. Voilà, donc c'est une nécessité en fait. Et je pense que, alors effectivement, aux États-Unis, il y a plein de problèmes, mais ils ont quand même ce principe où plus clair sur les quotas, qui fait que on est sur vraiment des petits pas, des tout petits pas de bébé, mais ça avance quand même un peu plus vite qu'en France, quoi. Et pour rebondir sur cette idée, parce qu'au-delà de la question de présenter des personnages non blancs, etc., etc., c'est la dimension insidieuse d'une représentation unique. Là, ces dernières années, on a un peu questionné la représentation de l'agriculture ou la représentation de la banlieue, par exemple, pour être un peu plus proche du sujet. C'est pas parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 films qui vont représenter peut-être une certaine partie de la population que ça va suffire, parce que généralement, ce sera la même représentation. Si on a, par exemple, dans le cinéma américain, je crois quelque chose comme 12% de personnages non blancs dans les films américains, je ne parle pas de personnages principaux, vraiment de rôles tout confondus, mais que c'est déjà ce peu de nombre de rôles sont des rôles qui sont toujours les mêmes,
associée à certaines caricatures, certains stéréotypes. Eh bien, ça avait été évoqué tout à l'heure pour les personnages féminins. Comment est-ce qu'une fille, une adolescente, peut se retrouver dans ces figures-là? Il en est de même pour la diversité de la population en France ou aux États-Unis. Comment se retrouver, un, dans ces personnages-là, et pour les autres, pour les Blancs, comment se représenter la différence, comment se représenter ceux que l'on croise au quotidien tous les jours et que dans le jeu vidéo, dans le cinéma, nous sont représentés comme ça. On entend beaucoup, j'avais vu le review bashing sur The Last of Us, où à partir du moment où certains joueurs ont découvert que l'héroïne, déjà pas mal, et homosexuelle, il y a eu des tas de critiques négatives sur le jeu qui à la base a eu vraiment de bonnes critiques. Eh bien, beaucoup vont dire non, mais c'est pas parce que dans un jeu il y a un personnage homosexuel que ça me pose problème, etc. Mais en fait, c'est insidieux. En fait, c'est vraiment une sous-représentation fait que on trouve ça différent justement, alors que ce n'est pas le cas. Et il me semble que tu parlais aussi d'Apex avec les personnages non binaires. Il me semble. Il y a eu la même problématique. Si, il me semble qu'il y a eu cette problématique-là aussi. Oui. Dans un jeu, un FPS, donc un jeu de guerre. C'est first person shooting. Voilà. C'est un jeu de tir à la première personne. On voit juste le pistolet. J'essaie d'expliquer. Je m'imagine avec ma maman en train de lui expliquer. Dans un jeu où il y a plusieurs choix de personnages, il y a des personnages qui ont été ça n'a aucune incidence sur le jeu, mais par contre, les développeurs ont expliqué un peu l'histoire des personnages, et donc il y a des personnages qui sont homosexuels, il y a des personnages qui sont déclarés non binaires, et donc on s'est amusé à chercher parce qu'on en avait entendu parler. Sur certains forums, il y a des réactions de joueurs qui disent maintenant que je sais que ce personnage est homosexuel, en fait, je ne jouerai plus à ce jeu. C'est de la propagande et qui, du coup, font abstraction de tout le reste. Le jeu peut être de la meilleure qualité. C'est un critère pour eux, c'est pas possible. Et il y a eu des déferlements. Terrible de rejet de tout plein de jeux pour ces raisons-là. Et Jessica, je te vois non, du pardon, point de l'œil, je souffle, je sais pas mais si tu veux intervenir. Ouais, je souffle parce que, excuse-moi, j'ai du mal à pas être impassible quand j'entends ça. Je pense que c'est vraiment une minorité qui fait beaucoup de bruit. Hein. Oui, pour le coup, là, le mot minorité est très adapté. Hein. Les gens qui vont dire j'arrête de jouer à ce jeu parce que le personnage principal est une femme lesbienne. Hein, lesbienne, et pas homosexuelle d'ailleurs, lesbienne, je préfère aussi ce terme-là. Et vraiment, je pense anecdotique, je pense que ces gens-là font beaucoup de bruit en ligne et savent très bien se servir des plateformes, mais dans les usages et dans la consommation de ces jeux-là, ce sont des jeux hein, qui sont très bien vendus. Life is Strange aussi, par exemple, où on voit aussi un personnage, la première scène où on voit un personnage en situation de handicap, de ce que je me souviens de ma carrière de gameuse. Mais je pense que c'est vraiment anecdotique, car les gens qui arrêtent de jouer parce que il y a une héroïne qu'elle est lesbienne ou qui a un personnage qui ne leur va pas, quoi. Il y a le même forme de débat pour le jeu Rust, qui est aussi dans le survival en ligne multijoueur, où la proposition de Rust qui était intéressante, et là aussi ça a créé un certain bashing, mais en effet qui était plus du bruit assez minoritaire parce que beaucoup de gens étaient curieux de cette approche-là, c'est que l'avatar, donc le joueur dans le jeu, va être calculé en fonction des codes de la plateforme de jeux vidéo, donc Steam. En fonction du code, en fonction des lettres et des chiffres, l'avatar va être constitué, c'est-à-dire sa couleur de peau, son sexe, ses cheveux, sa tenue, etc., vont être déterminés par ça. Pas par le joueur qui dit je veux que ce soit un homme, une femme, etc. etc. Et beaucoup se sont plaints du fait que ils voulaient pas être représentés comme ça dans le jeu, ils voulaient choisir eux-mêmes la tenue, bien évidemment, parce qu'il y a quand même une force de l'avatar aussi, hein. C'est quand même très important pour beaucoup de joueurs, justement, comment ils se représentent, comment ils ont envie d'être repérés dans le jeu. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de joueurs qui trouvaient intéressant justement que ce soit pas binaire, que ce soit pas au joueur de décider, que cette dimension aléatoire le mettait dans un univers et pas forcément être reconnu par les autres. Et effectivement, Jessica, tu dis que c'est une minorité, mais malheureusement, c'est une minorité qui est visible et très bruyante.
Et tout à l'heure, on parlait de, enfin, je parlais de d'Assassin's Creed, c'est Liberation avec Aveline de Grandpré, donc qui est une héroïne métisse. Et il y a eu pas mal de remarques en fait de gamers qui disaient, ben moi, ça m'intéresse pas. En plus, le jeu est mal fait, etc. Mais je me sens pas représentée. Et ce que je trouve dommage, c'est que moi, toute ma vie, mais toute ma vie, j'ai joué des personnages blancs, des personnages, des héros blancs, le mâle alpha par excellence, et ça m'a pas posé de problème en soi parce que c'était ce que j'avais devant moi, et voilà. Et ce que je trouve dommage en fait, c'est que quand on est dans ce, quand on est face, quand on a l'opportunité de jouer avec des personnages différents, j'ai envie de me dire que, ça va faire évoluer en fait l'empathie, de se dire je me mets à la place de cette personne-là, voir ce qu'elle traverse, avoir son histoire et autres. Et je me dis c'est peut-être quelque chose de positif en fait, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais apparemment non. Et c'est aussi pour ça que moi, très très jeune aussi, comme ça m'avait un peu saoulée, et je me suis mise à choisir des personnages qui avaient la peau verte, à jouer un panda, à jouer un animal ou autre, parce que je me sentais pas forcément représentée. Mais ça m'a pas empêchée, moi, un de mes jeux préférés, c'est Metroid, parce que je trouve que Samus, c'est un personnage hyper badass, elle a une vraie histoire. On sait, le premier jeu, on sait à la fin que c'est une femme, et je me suis identifiée à elle. Pourtant, c'est une femme blonde, et le problème n'est pas là, en fait. Et je trouve ça dommage que, inversement, on n'arrive pas à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de sentir représenté en fait via un personnage qui a une vraie histoire à raconter et de vivre en fait l'expérience via le jeu. Et c'est un peu dommage. Alors malheureusement, on est limité, on a un temps limité. On pourrait parler de tout ça pendant des heures et des heures. Il y a encore énormément de choses à dire, même s'il faut tout cramer. La solution, c'est de C'est la leçon de cette table ronde. Je vous propose qu'on passe aux questions du public, si vous avez des questions. Sur le live Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions, nous y répondrons. Et nous avons proposé aussi à nos collègues qui malheureusement ne pouvaient pas suivre cette table ronde, qui sont actuellement sur tout un tas d'animations, de médiations qu'on propose actuellement à la médiathèque autour du jeu vidéo, de poser leurs questions pour qu'on puisse nous-mêmes vous les poser, qui participent un petit peu à cette table ronde. Donc, est-ce que si vous avez des questions, je peux vous faire passer le micro? Je crois que tout le monde a été très clair. Il n'y a pas besoin de poser une question pour prendre un briquet. Moi, je n'ai pas posé de question, je vais faire une remarque de vieille. Quand je suis plongée dans un roman, dans la lecture d'un roman, eh bien, que le héros ou l'héroïne soit black, blanc, hétéro, homo, etc., je suis obligée de suivre. Je ne peux pas zapper. Je peux toujours sauter quelques pages. Mais enfin, sinon, ça veut dire que je renonce à l'histoire et je n'ai pas envie. Donc, je continue. Et ça ouvre comme ça mon horizon et ça enrichit mon univers. Plus personne n'oserait répondre, bon Dieu. Mais c'est très bien, et ça devrait être le cas aussi dans les jeux vidéo. Mais le fait est que vos romans, à vous, il n'y a pas. Le secteur littéraire est suffisamment multiple, et même si la possibilité de publier, surtout pour les personnes queer et les personnes racisées, est quand même assez limitée, et n'est pas la même que les personnes blanches. Ça, quand même, je tiens à le préciser. Et à l'entériner, hein, il y a beaucoup plus de choix en termes de variété. Ce qui n'est pas le cas avec les jeux vidéo, ou si c'est le cas, c'est moins accessible. Ce qui est le plus connu quand même, ce sont des jeux qui véhiculent tout ce qu'on vient de dire aussi. En même temps, si je pense à Marc Lévy, je me dis quand même il y a aussi du travail à faire dans le secteur littéraire, quoi. Alors, on a une question sur Facebook. Où et comment se procurer un t-shirt Atari comme Benoît? C'est une question.
Donc, on a une question de nos collègues. Pourquoi ne voit-on pas d'équipe mixte en sport électronique alors qu'on en voit dans le sport classique ? Mon chat en tombe à la renverse. Je peux répondre à cette question si jamais... Enfin, je pense qu'on aura tous des trucs à porter. En gros, l'e-sport... Bon, mon chat regardera le plafond. Voilà, merci. En gros, dans l'e-sport, on a strictement le même problème que dans l'industrie du jeu vidéo ou chez les gameuses déjà de base. À la base, vraiment, au tout début, le jeu vidéo s'était marketé comme vraiment un plaisir familial. Donc, les pubs qu'on pouvait voir au début, ça représentait une famille qui se mettait sur le canapé et tout. Et en fait, à partir des années 90, je crois, on a une espèce de shift où d'un coup, on se met à vendre les jeux vidéo comme un jeu masculin. Et donc, on les vend aux garçons, on leur vend des trucs de bonhomme avec de la guerre et tout. En fait, je crois qu'il y avait une étude qui disait à peu près que, la répartition, c'était à peu près 51% d'hommes et 49% de femmes qui jouaient. Et donc, ils ont gardé 51% et ils ont juste matraqué sur la com, mec. Alors qu'il y a, pour 1% de différence, c'est tragique, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, à partir de là, du coup, ouais, ils ont décidé, bon, bah, ok, à partir de maintenant, on vend des jeux vidéo pour les garçons, donc on va faire des pubs pour les garçons et on va faire des jeux pour des garçons. Et du coup, en fait, bah, paradoxalement, s'il y a plus de joueurs qui sont des garçons, forcément, dans les joueurs professionnels aussi, c'est, le sport, par exemple, bah, on a probablement en plus les mêmes problèmes dans le sport. Par exemple, le patinage artistique, je suis prête à vous parier qu'on trouve potentiellement, ou la danse classique, on va peut-être trouver beaucoup plus facilement des femmes que des hommes, parce que ça a toujours été un sport qui a été vendu comme un sport féminin, à l'inverse de, j'en sais rien, la boxe, qui est probablement beaucoup plus vendue comme un sport masculin, et là où on va peut-être un peu plus galérer à trouver des boxeuses, alors qu'elles existent et qu'elles ont tout à fait leur place dedans. Et en fait, c'est la même chose dans le jeu vidéo. Il y a déjà très peu de femmes de base dans le milieu du jeu vidéo, donc forcément, des personnes qui se disent, bah tiens, je vais te faire de mon métier les jeux vidéo et je vais devenir joueuse pro ou joueur pro, bah il y en a forcément beaucoup moins qui sont susceptibles d'être des femmes. Là, c'est juste simplement une question de statistiques et de chiffres. Et si on veut aller plus loin, bah, il faut retenir que comme les jeux vidéo sont encore un milieu très sexiste à cause justement du fait qu'on leur a toujours vendu ça comme étant un truc masculin, et ben du coup il y a beaucoup de difficultés à accepter pour les hommes des femmes dans leur milieu. Le jeu vidéo, ça, c'est pour beaucoup de personnes, c'est un peu un refuge. Le jeu vidéo, je crois, je me souviens plus des chiffres exactement, mais là-dessus nous avons une très grande dame qui pourra très probablement nous aider. Les jeux vidéo, ça, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de personnes qui, socialement, sont souvent en difficulté. C'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup de mal à se faire des amis ou à parler à d'autres personnes, etc. qui vont réussir, grâce aux jeux vidéo, à avoir un semblant de vie sociale parce qu'elles vont pouvoir se réunir autour d'un point commun. Et du coup, il y a un peu cette idée de les jeux vidéo, c'est notre refuge, il faut le protéger de tous les envahisseurs. Et en fait, on a pu voir ça, du coup, qui s'est déclenché avec les femmes, avec notamment bah, le mythe de la fake geek girl, donc ces femmes qui font semblant de s'intéresser aux jeux vidéo uniquement pour séduire de pauvres hommes sans défense. Et malheureusement, bah, c'est des stéréotypes dans ce genre-là qui ont la vie dure et qui rendent la vie très très dure aux femmes. Le machisme et la masculinité toxique s'expriment extrêmement, extrêmement fort et de façon virulente, surtout dans l'e-sport et dans le jeu vidéo sportif, parce que c'est des milieux qui sont très masculins et qui poussent la toxicité à l'extrême. Dans l'e-sport, être un vrai mâle alpha, être violent, être le plus fort et tout, c'est des compétences qu'on avait tendance à un peu encenser. C'est pour ça qu'il y a énormément de toxicité dans ces milieux. Et du coup, bah, c'est des milieux qui repoussent, mais encore plus fort, les femmes qui aimeraient s'y mettre, qui du coup se prennent des vagues de harcèlement et d'insultes et de menaces tellement énormes qu'elles ne peuvent juste pas décider d'en faire une carrière. C'est même pas une option qu'on leur donne, en fait. Il y a un vrai culte de la performance, en fait, qui se déroule dans l'univers du jeu vidéo. Et je pense que ça a été encore plus exacerbé, justement, avec la pratique de l'e-sport, mais aussi le streaming, où en fait on devient visible, et donc c'est encore plus exacerbé. Et après, justement, pour le fait des équipes mixtes, en tout cas féminines, c'est vrai que nous, à l'association, cet été, on a participé à plusieurs événements organisés avec la maison de l'e-sport, et on avait mis en place plusieurs tournois, Valorant, Tekken et Hades aussi, toujours. On avait fait en sorte dans les règles, c'était d'avoir des équipes soit féminines ou au moins mixtes avec minimum deux femmes. Donc voilà, donc ça fait partie des choses que nous on essaye d'intégrer pour
pour après c'était vraiment dans un esprit de convivialité hyper chill et c'est pour faire naître des vocations et pour aussi pousser les filles qui ont envie de le faire et qui ont pas forcément qui sentent pas avoir forcément avoir les épaules pour le faire alors qu'elles elles sont aussi performantes voire plus. Mais c'est vrai que souvent les garçons ça les pique un peu quand ils se retrouvent avec une fille qui a un meilleur score qu'eux, mais ça arrive et donc voilà, donc c'est vrai que nous on essaye aussi de mettre en place ce genre de, d'initiative pour essayer de valoriser en fait ce côté mixité notamment dans la pratique de l'e-sport. Ok, merci. Peut-être que vous avez des questions. Jessica, tu voulais rebondir? Si je rebondis, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je pense qu'on va passer à une autre question, mais je suis toujours très d'accord avec ce qui a été dit, bien évidemment. Sauf peut-être Nathalie, les études montrent le contraire, en fait. Souvent, les joueurs, les joueuses de jeux vidéo sont très sociables. Et les jeux vidéo permettent juste d'équiper leur sociabilité. Mais à la base, ce sont des gens qui ont des amis. Voilà, juste ça. Parce que ça m'a fait sourire. Du coup, il y a des questions Facebook. Alors, j'ai pas de questions Facebook, mais j'ai notamment un commentaire de Mara Vega qui dit c'est super intéressant et bravo à vous. Voilà, donc ça fait plaisir aussi. Je passe le merci. Message. Du coup, moi, il y a une question qui a été donnée par, à moins que quelqu'un dans le public veuille intervenir. Bon, c'est possible, hein? Ok. Il y a une question qui a été posée par un des collègues de la médiathèque. Elle est très longue, mais je vais essayer de la synthétiser. Merci. On parle de quelle manière l'autorégulation des joueurs peut contribuer à faire bouger les lignes. Il y a une précision, notamment sur la possibilité de ban. Donc ban, c'est d'exclure un joueur d'une partie. En fonction de son comportement, sa communication. Et il y a certains jeux qui ont développé ça. Les joueurs peuvent décider eux-mêmes d'exclure un joueur de la partie. La plupart des jeux, en fait, il y a des systèmes de signalement où on peut dire ce joueur a eu un comportement inapproprié et puis après ça part dans les sphères des vérifications et vu le nombre de signalements qu'il doit y avoir, je ne sais pas comment c'est traité. Mais donc voilà, il y a cette question sur le fait de savoir si l'autorégulation entre joueurs, elle peut avoir une incidence positive ou négative. Et la question se termine en se posant la question de la charte d'engagement des joueurs. Les chartes, toutes ces conditions générales d'utilisation que personne ne lit. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour forcer les gens à valider des conditions voilà, j'ai essayé de synthétiser, j'aurais pu vous la lire. Est-ce que l'autorégulation, c'est possible? Vous y croyez ou faut tout cramer encore? Oui, un briquet, c'est une bonne option. Ça, ce dont tu parles, on l'a vu beaucoup avec les jeux, surtout Riot Games, donc le développeur principal de League of Legends. En fait, ils ont eu un problème de toxicité sur leur jeu qui était tellement énorme que ça commençait à vraiment les mettre en péril parce qu'ils perdaient beaucoup trop de joueurs. Et du coup, ils ont été obligés de réfléchir à des solutions pour essayer de diminuer la toxicité sur leur jeu. Et donc, pour faire ça, ils ont fait appel à des psychologues, à des sociologues et tout. Et ils ont fait un énorme, vraiment, bloc où ils ont fait plein d'études en mode comment faire pour diminuer la toxicité. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand ils bannissaient un joueur d'une partie de League of Legends, en tout cas quand un joueur était reporté pour un mauvais comportement et qu'ils lui interdisaient de parler quand il revenait, dans un très gros pourcentage de chances, le joueur revenait ensuite et se comportait mieux. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir des punitions, donc là, en l'occurrence, la punition étant de ne plus pouvoir parler sur un jeu compétitif qui nécessite de la coordination entre les joueurs, c'était vraiment handicapant et donc ça a vraiment aidé à calmer un petit peu les joueurs. Alors, ça n'a pas réglé la toxicité, hein, puisque League of Legends est toujours connu là-dessus, mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, le fait d'avoir une punition, ça avait un impact et ça avait une force.
Donc en soi, en théorie, j'ai envie de te dire que oui, la gestion entre les joueurs peut avoir une importance et peut avoir une force, mais elle est possible uniquement parce que les studios de jeux vidéo donnent des outils aux joueurs pour le faire, et en réalité, c'est absolument pas un poids qu'il faut mettre sur les épaules des joueurs. C'est absolument pas aux joueurs d'avoir à faire les arbitres dans les jeux vidéo pour dire « Oh bah tiens, lui, il est pas gentil, hop, on le dégage ». C'est absolument aux studios de jeux vidéo qui développent ça de s'en occuper, parce que ça peut très vite... ça devient très vite hors de contrôle pour nous, et on n'est pas là pour gérer ça, on est là pour s'amuser à la base, pas pour faire la police, quoi. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis qu'il y a des problèmes de toxicité et à partir ils ont essayé d'être résolus parce qu'ils perdaient de l'argent. Oui. C'est fabuleux quand même. Donc pour essayer de rebondir et en me posant la question, je ne sais pas si ça existe pour le jeu vidéo, mais il y a une étude qui a été faite en 2019 dans le cinéma américain indiquant que les studios, on reste sur les gros studios américains, perdent par an 10 milliards de dollars en ne représentant pas toute la diversité de la population, des situations, etc. Parce que l'étude prouve que, alors c'est une étude, que les gens seraient justement plus ouverts à l'inclusivité dans le cinéma, au contraire de ce que les producteurs encore en place ont en tête. Et on le voit beaucoup dans la série télé, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité dans la série télé, un peu plus importante que celle du cinéma, parce qu'encore une fois, le cinéma, c'est beaucoup d'argent sur un film, sur une heure et demie, sur deux heures, qui va vivre parfois un week-end. C'est ça aussi qui est quand même très très violent pour le cinéma. Donc les enjeux sont tels qu'on réfrène au maximum, on essaie de cocher toutes les cases, le monomythe, le personnage principal, etc., de manière à ce que ça fonctionne le plus possible. Sauf que ce n'est pas ce qu'attendent les spectateurs. Donc, si ce n'est pas pour une volonté éthique de représenter la population, mais peut-être un argument financier, c'est une solution. Bah, c'est toujours ça de prix, mais c'est vrai que c'est triste. Et par contre, pour aller plus loin, non seulement Riot Games s'est bougé les fesses uniquement à partir du moment où ça leur faisait perdre de l'argent, mais pire, avant, ils encourageaient la toxicité à travers divers pubs, en mettant en concurrence les joueurs, histoire de faire « Allez-y, là, eux, ils sont un peu nuls, montrez que vous êtes le meilleur, montrez que vous êtes le plus fort, le mal alpha, l'ultime, voilà, ils jouaient dessus. » Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et c'est très très drôle. Jessica, tout à l'heure, Nathalie parlait de psychologues, de sociologues. Est-ce que, justement, les éditeurs, de travailler avec des sociologues, ça pourrait être quelque chose parce qu'on le voit, hein, dans le cinéma aussi, on peut faire appel à des psychologues, des sociologues. Est-ce que ça pourrait être le cas dans les jeux vidéo? Alors, Nathalie, d'ailleurs, je veux bien les noms, parce que je n'ai aucun de mes collègues qui a travaillé avec Riot, mais c'est sûrement aux États-Unis, je pense. Non, c'est en Australie. En France, on n'est pas là. C'est en Australie, je pense. Donc, ouais. Mais alors, j'ai pas les noms non plus, parce qu'en fait, Riot ne communique pas, évidemment, complètement là-dessus. Mais en fait, ils avaient créé une espèce de dôme dans lequel ils avaient engagé pas mal de professionnels en mode, bon, on va faire des études et tout sur les joueurs. Mais bien sûr, ils ont jamais communiqué les résultats des études. En externe, en tout cas. Donc, malheureusement, c'est chaud d'avoir des infos. Mais c'est super intéressant, et je pense que ça peut être aussi une voie, parce que nous, finalement, on fait nos recherches de notre côté. Ça me permet aussi de rebondir sur ce que disait Vanessa tout à l'heure avec Mehdi. Mehdi n'a pas fait d'enquête sur les personnes racisées qui jouent aux jeux vidéo ou qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, travaillent sur les représentations médiatiques des personnages, ce qui est très bien aussi, hein. Mais il y a un vide intersidéral sur, il y a des thèses à faire, hein, notamment en socio et en psycho, hein, sur vraiment les gens qui vivent les discriminations au quotidien. C'est bien les représentations médiatiques et de faire un point sur ça, mais quand même, il y a quand même un vide à combler, hein, autour de ces questions-là. Et je sais pas, hein, s'il y a quelqu'un qui voit un jour cette vidéo ou ce live qui veut faire une thèse, n'hésitez pas, hein, à vous lancer. Je pense que ça peut être intéressant. Après, les studios, il y a très peu de dialogue avec le monde de la recherche. Malheureusement, ce sont des milieux fermés. Et je pense que c'est pas un hasard si elles n'ouvrent pas leurs portes. Moi, en tant que féministe, par exemple, il est impensable qu'un jour un studio m'ouvre ses portes parce qu'il n'a pas intérêt à le faire, hein. Dans les conditions de travail qu'on évoquait tout à l'heure, aucun intérêt à le faire. À l'époque où je cherchais un financement de thèse, je ne vais pas citer les studios, hein, qui avaient été d'accord avec mon projet, mais c'était toujours le but ultime de ma thèse, devait leur dire comment vendre plus de jeux aux femmes. C'était ça qu'il y avait derrière. Donc après, j'ai trouvé un financement public qui m'a permis d'être plus libre. Mais il y a quand même toujours la variable financière derrière, auquel moi, j'ai renoncé, hein, mais peut-être que je l'aurais accepté si j'avais pas eu d'autres financements publics, hein, bien évidemment. Donc eux, voilà, il faudrait que les industries et les studios s'ouvrent, hein, au monde de la recherche et s'ouvrent à la critique
Et là, pour l'instant, ils considèrent qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Hein, mais je suis d'accord, je pense qu'ils auraient intérêt à le faire hein, avec l'exemple des séries. Hein, les jeux marcheraient encore plus hein, s'il y avait de l'inclusivité et si au final, on réfléchissait à toutes ces questions-là et qu'on les prenait à bras le corps sans faire des effets d'annonce hein, et sans passivement présenter des excuses qui ne servent à rien, quoi. Conclusion un peu fataliste, pardon. Est-ce que on vous donne une dernière chance, une dernière opportunité de poser une question à nos intervenants ? Ah, une question. Je me déplace. Mais je me déplace même pas. Merci. Je parle à la place de ma fille qui n'ose pas poser la question. En fait, on se posait la question, justement, on disait qu'il y a peu de filles dans ce domaine-là, mais au niveau des salaires, est-ce qu'il n'y a pas aussi une grosse différence entre les uns et les autres ? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur ça ? Alors, est-ce que je ruine tous tes espoirs ou pas ? Non, alors vraiment, j'ai dressé un portrait assez terrible des grosses industries de jeux vidéo, notamment dans le cadre des très grosses industries de AAA. En ce moment, ils sont en plein scandale, justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un écart salarial entre les hommes et les femmes qui était ridicule et qui n'avait pas lieu d'être. Et du coup, là, en ce moment, c'est en train vraiment de faire beaucoup de bruit parce que y a des syndicats et beaucoup d'employés qui se battent pour réduire ces écarts-là. Mais Dieu merci, c'est pas le cas partout. Il y a des salaires dans l'industrie du jeu vidéo qui sont très corrects, ils dépendent en général de l'ancienneté, etc. C'est des métiers très durs et c'est des métiers qui sont très souvent liés à la passion, mais ça reste quand même des métiers qui sont pas précaires en théorie. Mais ça dépend des domaines. En fait, il y a un peu les jeux vidéo indépendants où là, ça va être un peu plus limité en termes de revenus. Ça va dépendre de pas mal de choses. Si on a eu des financements de la part du gouvernement ou de la part de plein d'autres aides, je pense par exemple au CNC qui commence aussi à financer des jeux vidéo, etc. Et puis il y a les triple A, donc les très très grosses boîtes qui, comme on l'a vu, ont plein de problèmes en interne, mais chez lesquelles en général il y a de l'argent. Donc la différence de salaire entre les hommes et les femmes, elle existe. Malheureusement, c'est le cas dans la société. On aura beau le dire, en France, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, il existe toujours, peu importe le domaine. Dans le jeu vidéo, il est là aussi assez bien présent parce qu'il faut noter que l'industrie du jeu vidéo, elle est très jeune et comme tu l'as dit tout à l'heure, elle va très vite et en fait elle va tellement vite qu'il n'y a même pas eu le temps encore de vraiment développer les syndicats dedans et donc les droits des travailleurs, en fait les grosses industries ont beaucoup joué là-dessus sur le fait que comme il y a très peu de syndicats et donc très peu de gens pour défendre le droit des travailleurs, eux ils peuvent y aller, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et surtout il y a déjà tellement de gens qui veulent travailler dans l'industrie du jeu vidéo qui se disent au pire si tel employé est pas content on pourra le remplacer. Donc c'est vraiment très difficile je pense de percer et de rester dans le triple A, donc vraiment le gros de l'industrie, même s'il y a énormément d'argent. Pour l'instant, en tant que femme, c'était un peu compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant que ces scandales ont éclaté, il y a vraiment un gros projecteur qui est sur ces studios, et on a envie de leur dire, si vous continuez à faire ces horreurs-là, il y a déjà un projecteur qui est sur vous, ça va finir par se voir, en fait. Donc ils ont vraiment tout intérêt à essayer de changer les choses au maximum, et donc il y a vraiment une lueur d'espoir qui peut arriver de ce côté-là. Les choses ne peuvent que changer, elles ne peuvent pas empirer, c'est pas possible en ayant un projecteur sur eux qu'ils arrivent à empirer les choses. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop déprimé. Après, il y a aussi tellement de métiers en fait dans l'industrie. Donc ça peut aussi varier. Moi par exemple, je fais de la communication, mais alors je suis pas dans l'industrie même, mais je travaille avec des personnes dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a tous les métiers plus informatiques, les narrative designers, il y a énormément de métiers en fait. Donc je pense que même là en fait, il devrait y avoir des écarts et des écarts de salaire, déjà trouver sa voie et ensuite voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est un métier de passion et je vais faire le parallèle avec la musique, le secteur de la musique, c'est un peu la même chose. En gros, quand on intègre un studio qui est très connu, vous êtes un peu payé au lance-pierre parce que t'as la chance d'être d'être chez nous, donc sois content, on te paye en concert, on te paye en CD et puis voilà. On est un peu sur la même pratique, mais les choses évoluent. Hein, quand même, toujours l'optimiste et la lueur d'espoir.
On a une dernière question du coup sur le live. Quels sont les prochains jeux qui vous font envie? J'invite chacun à répondre. Hein. Alors moi, je vais dire Just Dance parce que je suis une grosse fan de Just Dance. Voilà, personne peut me prendre sur Just Dance. C'est un peu mon jeu. J'avais honte de le dire avant, maintenant je n'ai plus honte. Just Dance, c'est ma vie. Étant plutôt joueur solo, justement, la différence de vous deux, je vais en donner deux pour essayer d'équilibrer, parce que d'un côté il y a God of War et de l'autre côté il y a Horizon. Donc God of War étant quand même une sorte de représentation, même si je trouve que le dernier a une magnifique écriture, un plan séquence de plusieurs heures pour suivre l'histoire. Je trouve que du point de vue artistique c'est une merveille, du point de vue de l'écriture, enfin c'est de l'évolution du personnage, du rapport avec son fils, je le trouve merveilleux, mais il véhicule quand même, voilà, le gringalet que je suis. Se retrouve pas dans Kratos, clairement pas. Il se retrouve pas non plus forcément dans Aloy de Horizon, mais les univers étendus, et je trouve que justement, il y a dans Horizon Zero Dawn, le premier, et peut-être, j'espère, la suite, c'est la diversité des personnages que l'on croise dans les quêtes annexes. Ça, alors, à nouveau, hein, c'est bien parce qu'elle est présente, mais elle est surtout présente dans les quêtes annexes. Donc, c'est aussi des choses que l'on peut questionner. Alors, on pourrait détailler très longtemps, mais c'est, ben, alors voilà, pour faire le parallèle, c'est comme le cinéma. C'est bien joli de mettre des personnages issus des minorités ou, en tout cas, sous-représentés. Si c'est pour les mettre en fond de salle dans une scène au milieu d'un film, voilà, ça fonctionne pas non plus. Donc, on va dire Horizon et God of War. Bah moi c'est Bayonetta 3 du coup, vu qu'il a été annoncé il y a pas longtemps, et parce que c'est vraiment mon héroïne préférée et qu'elle me fait beaucoup trop rire. Jessica. Alors moi je vais montrer mon retard. J'ai fait une thèse, maintenant je suis enceinte. Du coup j'ai accumulé des années de retard. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo quand j'ai commencé ma thèse. C'est assez symptomatique là, pour les chercheurs et les chercheuses qui travaillent dans ce domaine-là. Donc je suis en train de finir Shadow of the Colossus. C'est pour dire hein, où j'en suis. Donc j'ai beaucoup de retard. Hein. Je suis plutôt une joueuse console hein, et une joueuse solo. Donc je finis, j'essaie de finir Shadow of the Colossus quoi. Benoît, j'ai aussi beaucoup de retard et j'aime vraiment beaucoup le. Par contre, j'ai pas fait de thèse, donc j'ai pas d'excuses. Mais j'ai beaucoup de retard et moi, je joue beaucoup à des jeux indés en fait. Et du coup, la liste est tellement longue. Je crois qu'on pourrait découvrir plusieurs jeux par jour, des petits jeux qui coûtent pas grand-chose, qui sont souvent développés par une ou deux personnes. Mais si je devais en citer un, c'est la suite de Hollow Knight qui s'appelle Silksong. Que j'attends avec impatience et qui est repoussé depuis... Oh, j'ai changé d'avis au long de tout à l'heure. Qui est repoussé depuis 2 ans, 3 ans, et c'est à la base un tout petit studio, je crois qu'ils sont 4 ou même pas. Voilà. Et il y a aussi Metroid, pardon, qui sort bientôt. Et aussi, voilà. Mais si vous commencez à nous demander nos coups de cœur et tout ça, ça va... Moi, clairement, je ne sais pas si je vais rassurer Jessica, mais en ayant 2 enfants qui sont encore petits, je n'ai pas beaucoup de temps, de moins en moins de temps pour jouer, donc je ne sais pas si c'est rassurant. Mais clairement, Horizon, on l'a chargé là, et j'ai très très envie de le tester rapidement. Mais il paraît que les enfants grandissent. Ils grandissent. C'est, bon, on a, c'est d'accord, parce on que... peut avoir un peu plus de temps après. J'espère. En tout cas, merci beaucoup. Nous, ça nous a passionné de préparer cette table ronde. On a été très contents que vous puissiez être présents avec nous. Il y a Véronique Durand qui est du coup notre élue à l'égalité et lutte contre les discriminations. Oui, et aussi à la parentalité. Et à la parentalité. Alors, comment dire ? Déjà, je vous félicite. Vraiment, tous, hein, pour la qualité de vos débats. Moi, je ne suis pas du tout dans le jeu. Je le dis franchement, c'est un univers qui est inconnu. Enfin, je sais que ça existe, hein, mais je n'ai pas mis les pieds dedans. Bon, mes garçons, ils ont joué, voilà. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez des parents qui devraient accompagner les enfants. Bah, j'ai été ce parent aussi dans cette situation. Et je ne sais pas comment on fait. Voilà, et je pense que beaucoup de parents, honnêtement, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas
c'est qu'ils sont, c'est peut-être compliqué, peut-être dépassé, et qu'eux aussi auraient peut-être besoin d'être accompagnés pour pouvoir aussi suivre leurs enfants. Alors là, je parle sur le volet de la parentalité. Après, je n'ai pas de réponse, hein, je n'ai pas de solution, ce sont des suppositions. En tout cas, vous parliez de prévention, oui, tout à fait, et c'est vrai, enfin là je percute vraiment quand vous dites que ben on va peut-être parler de musique, on va parler de cinéma, mais les jeux vidéo dans les écoles, dans je sais pas les collèges, les lycées, c'est vrai, mais ça fait peur, c'est tabou. C'est peut-être comme on parlait de violence, enfin c'est ce qu'on entend un peu ce qui est représenté, et tout ça, ça c'est des freins. Malheureusement, hein, parce que là, ça bouge dans ma tête. C'est important. Là, j'en prends conscience, comme quoi ce serait important que dans les lycées, en tout cas, peut-être les collèges, les dernières années, je ne sais pas, qu'il y ait comme ça des petits débats, enfin voilà, des rencontres et puis des échanges, parce que la prévention, ça commence tôt en termes de harcèlement, de sexisme. Je n'imaginais pas, je vous le dis, voilà, parce que comme je ne suis pas dedans, qu'il puisse y avoir autant de sexisme, de harcèlement, et donc c'est oui. Et puis pour changer tout ça. Oui, il faut pas baisser les bras et bravo. Hein, vous êtes, je le dis très franchement, hein, vous êtes très courageuse parce que peut-être un peu seule hein, des fois dans ce combat pour tenter de faire bouger les lignes, mais il faut le faire. Après, je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont un bon état d'esprit, je vais dire, et donc c'est très bien de vous mettre en collectif parce que ça c'est une force. Voilà, et je résumerai en disant ben, du collectif, de la prévention le plus tôt possible dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Moi, je pense même, je vais plus loin, les centres sociaux, parce que aussi ces familles, il y a des jeunes également, voilà, d'autres associations qui pourraient aussi vous accueillir ce genre de débat, de conférences. C'est une forme de formation aussi, d'appropriation. Et là, justement, dans quelques temps, on va avoir une conférence avec Michel, je ne sais pas si vous connaissez, Desmurger, qui est un neurologue, qui va se faire, donc c'est les établissements scolaires au niveau de Saint-Médard, Taillant, enfin de notre secteur, qui organise ça avec nous, la parentalité. Je pense qu'il y aura d'autres approches. Et là, grâce à vous, voilà, je pense que je vais y aller avec une autre vision, un esprit critique, des questions, donc ça va être, je vais comparer et développer les, voilà, moi mon mot c'est de dire il faut absolument, absolument développer l'esprit critique chez les enfants. C'est les adultes de demain, c'est les citoyens de demain, c'est le respect des uns et des autres, quel que soit le genre, quelle que soit l'origine, on s'en fiche quoi, on est voilà des êtres humains. Et là il y a du boulot, mais c'est quand même motivant. Et merci à vous pour la qualité des débats ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci. J'ai envie de dire que c'est déjà un peu une victoire pour nous de réussir déjà à faire prendre conscience en fait à vous ou d'autres personnes. C'est peut-être une, deux, trois personnes, mais ça reste quand même des personnes qui vont faire évoluer le débat. Donc merci à vous aussi. Je suis obligé de rebondir, je suis désolé. Accompagner son enfant qui joue à un jeu vidéo, ça veut pas dire savoir lui dire faut appuyer sur tel bouton et mais l'accompagner c'est s'intéresser, j'essaie de donner des pistes peut-être aux gens qui nous regarderont, c'est aussi s'intéresser à ce qu'il fait, c'est quoi ce jeu, c'est quoi l'histoire, et en s'y intéressant en fait il y a une connexion qui se crée et ça permettra aux adultes qui sont un peu éloignés de tout ça de comprendre. On le ferait tous si on avait notre enfant qui prenait un bouquin qu'on connaissait pas et qui lirait ce livre, on pourrait lui dire ah mais c'est quoi cette histoire, ce personnage, voilà, c'est exactement la même chose que pour moi c'est une des clés en fait. On parle pas de technique, on parle pas de, mais par contre ça donne aussi des astuces pour les parents pour pouvoir après réguler. Si vous savez à quoi joue votre enfant et que vous savez un petit peu le fonctionnement de combien de temps dure une partie, etc., ben, c'est beaucoup plus facile de réguler les usages. Donc c'est des choses, c'est des tout petits conseils, mais qui, je pense, peuvent être assez utiles.
Et pareil, on rebondit beaucoup hein, ce soir. Alors, je rebondis une dernière fois, après on va s'arrêter là. Mais voilà, c'est aussi le travail dans les médiathèques qui est fait au quotidien, dans les espaces multimédia avec les animateurs. Nous, on est là aussi pour accueillir les parents, les enfants, pour faire de l'accompagnement, pour informer sur voilà, les contenus des jeux, faire découvrir aussi d'autres jeux indépendants, informer sur les PEGI, etc. Enfin, voilà, ça c'est notre travail au quotidien et il ne faut pas hésiter quand on est parent à venir aussi dans les médiathèques pour pouvoir discuter avec nous et les enfants peuvent jouer. Il y a des personnes qui sont présentes aussi, qui sont là tout le temps pour les accompagner. Donc voilà, c'est aussi dans les médiathèques. On a enlevé un peu notre poussière sur les épaules, parce que c'est un peu l'image qu'on a des bibliothèques. Mais voilà, il y a tout ça aussi dans les médiathèques et à Saint-Médard. Merci infiniment. Merci. Merci à Jessica. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et merci à Nathalie, merci à Vanessa, merci Hervé. C'était vraiment chouette. Nous, ça nous donne envie de continuer à travailler autour de ça et sur cette question-là, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Jessica, on s'appelle. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.